Bestes coopérantes, chers coopérateurs, chères coopératrices, soyez les bienvenus dans cette formule tout à fait spéciale, évidemment spéciale Covid. On a essayé de faire un mieux pour pouvoir vous accueillir très nombreux aujourd'hui, évidemment pas de manière présentielle. Je ne vous garantis pas qu'il n'y aura pas de cafouillage parce que effectivement c'est nouveau pour nous aussi, mais on essayera effectivement de pouvoir faire cela et de tenir compte de tous les votes, de tous les échanges de manière la plus interactive possible. Je me présente, mon nom est Bernard Bayot. Je suis le président de votre coopérative et j'aurai le grand plaisir de vous présenter cette Assemblée Générale avec Sigrid Gullix, qui est co-responsable de la communication et qui sera donc à mes côtés. Merci donc à toutes et à tous de vous être adaptés à ce contexte tout à fait spécial que nous connaissons et de suivre cette Assemblée Générale à distance avec nous. Sachez donc qu'on a vraiment voulu tout mettre en œuvre pour respecter strictement les mesures sanitaires liées à la crise que nous connaissons. Et si je vous parle de 600 masques, rassurez-vous, tous les gens qui sont ici autour, le personnel présent, les techniciens, portent tous le masque et gardent tous les distances de sécurité. De votre côté, j'espère que vous allez bien, que vous êtes correctement installés. Je ne veux pas savoir où ça vous regarde. Et que nous parviendrons à avoir ensemble, malgré tout, malgré les circonstances, des moments interactifs le plus fructueux possible. Petite nouvelle, vous ne savez pas où nous sommes, nous. Vous savez où vous êtes, mais nous, vous ne le savez pas. Eh bien, sachez que nous sommes dans un endroit historique de Newby, le plateau du Heysel, là même où nous avons tenu en juillet 2013 une assemblée générale. Nous étions 1200 personnes, ici à quelques mètres de l'endroit où je vous parle, à décider ensemble de lancer une banque coopérative en Belgique. Aujourd'hui, nous sommes autant à distance à suivre cette Assemblée Générale pour célébrer cette banque qui vient de démarrer, Sigrid. Goedemiddag iedereen. Ook van mijnentwege hartelijk welkom. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette Assemblée Générale extraordinaire. Pour information, je tiens à vous signaler que l'enregistrement sera conservé pour les archives. Quelle année 2020? 2020 fut l'année du masque buccal. Ce fut l'année des élections de la vérité aux États-Unis et pour une grande partie, c'était en fait une année sans gouvernement belge. Or, pour Newby, ce fut l'année du lancement réel de l'ouverture de la banque coopérative. Nous sommes ravis d'être là avec vous pour inaugurer, soit-il virtuellement, notre banque. Avant toute chose, quelques éléments logistiques et pratiques. Lors de la première partie de la réunion, nous parlerons pour la plupart du temps des obstacles et des éléments de l'année passée. Nous présenterons Thierry Smets qui se présentera comme candidat à l'administration. Nous disons adieu à Marc Olinger comme CEO, mais il se porte candidat au conseil d'administration tout autant que Bernard Bayot qui lui nous soumet au vote la prolongation de son mandat en tant qu'administrateur. Ces trois candidatures feront l'objet d'un vote dans quelques instants. Dans la seconde partie de l'après-midi, il y a deux grands moments. D'une part, la charte tant attendue et ensuite finalement la démonstration de notre banque en ligne. Évidemment, ça change de seconde en seconde. 1185 personnes à être connectées pour voter. Il y a bien sûr en outre des gens peut-être qui nous regardent en streaming, mais sans être connectés pour le vote. Chacune et chacun d'entre vous a pu normalement se connecter à un environnement sécurisé pour voter précisément en toute simplicité. Nous rappelons une chose importante, c'est qu'une personne ne peut porter qu'un seul mandat. C'est vraiment un choix important de Newby en termes de gouvernance pour assurer une démocratie participative. Plusieurs d'entre vous votent également pour des personnes mineures dont ils ont ou ils sont responsables. Pour les personnes qui sont porteuses d'un mandat, et uniquement pour celles-là, elles doivent se connecter, on est désolé, c'est une contingence technique, mais on n'a pas le choix. Elles doivent se connecter dans deux navigateurs différents, Firefox par exemple, et un autre à côté. Un pour vous et un pour le mandat que vous portez. Vous ne pouvez donc pas voter sur le même, le même navigateur pour les deux votes que vous possédez.
Vous pouvez aussi, évidemment, ne pas avoir deux ordinateurs ou deux, deux navigateurs différents, mais simplement avoir un ordinateur et une tablette ou un smartphone. Cela fonctionne aussi, ou encore de naviguer avec une fenêtre privée. Bref, il y a plusieurs solutions, mais soyez attentifs si vous voulez vraiment voter pour le vote principal, le vôtre, et celui, le mandat que vous avez reçu. Vraiment désolé pour ce désagrément qui est d'ordre pratique, mais les systèmes actuels, les logiciels ne sont pas encore, mais ça va changer, habitués au système coopératif. Pour voter, sélectionnez simplement votre choix de vote parmi les options qui s'affichent à l'écran. Un message de confirmation apparaîtra pour indiquer que votre vote a été reçu, comme indiqué par le rond vert que vous voyez sur l'écran de votre ordinateur. Vous pouvez également changer votre vote. Vous sélectionnez à ce moment-là simplement un autre choix et vous pouvez ainsi modifier votre vote. Si vous voulez annuler votre vote, veuillez appuyer sur « Annuler » que vous voyez aussi à l'écran, comme indiqué dans le rond rouge « Cancel » que vous voyez à l'écran de présentation. Nous prévoyons plusieurs moments pour vous permettre de voter. Vous pouvez commencer à partir de maintenant, mais vous avez tout le temps, puisque nous prévoyons de pouvoir voter jusqu'à la fin de cette Assemblée générale, qui devrait se terminer vers 16 heures. De toute façon, je vous indiquerai clairement lorsqu'il restera 5 minutes pour voter, afin que personne ne soit évidemment pris de court. Nous commencerons alors le dépouillement des votes électroniques et quelques minutes plus tard, vous aurez les résultats, Sigrid. En voor de meeste punten die jullie vandaag. Et pour la plupart des points aujourd'hui votés, la majorité sera simple pour tout collège. Les abstentions ne sont pas comptabilisées dans la détermination de la majorité. Pour le vote du point 13, qui concerne les catégories où Newbie peut détenir des investissements, un collège de 80%, une majorité de 80% est requis pour chaque collègue. Le vote est possible jusqu'à ce que l'Assemblée se poursuit. Et on peut toujours effectivement aussi modifier le vote. Toute résolution sera discutée au cours de l'Assemblée. Si vous souhaitez attendre la fin de toutes les discussions, c'est parfaitement possible avant de voter. Vous pouvez d'ailleurs donc nous soumettre une série de questions, lesquelles nous avons également recueillies jusqu'avant-hier. Et dans le courant de l'après-midi, vous aurez des réponses. Si vous souhaitez poser d'autres questions, c'est parfaitement possible. Il suffit de cliquer l'icône en haut de l'écran que vous avez là. Et là, il suffit en fait de saisir la question. Elle est envoyée. Les questions qui ne seraient pas abordées faute de temps seront en fait traitées ultérieurement et seront ensuite publiées sur nos canaux, le blog notamment. En cas de problème lors du vote ou lors de la pose de questions, on peut toujours contacter le centre de contact au numéro 02-486-2903. Arrêtons-nous un instant, faisons un petit retour en arrière. Il y a un an, jour pour jour, le suspense était à son comble. Nous étions à sept jours de la clôture de la campagne de capitalisation, condition sine qua non pour pouvoir lancer une nouvelle banque éthique durable et locale en Belgique. Sept jours avant la clôture, il nous restait encore 21 662 900 € à lever. En sept jours, plus de 3 millions d'euros par jour. Rappelez-vous, tous les donneurs de bons conseils, tous les commentateurs qui commençaient un petit peu à ricaner, qui doutaient évidemment de notre réussite. Évidemment, nous n'étions pas sûrs d'y arriver, mais nous nous sommes mobilisés, vous êtes mobilisés, et nous avons finalement terminé à 71 000 personnes qui ont souscrit pour faire de ce projet collectif une réussite. Je voudrais vraiment vous en remercier encore une fois parce que c'est rare, je pense, que dans une vie collective comme celle que nous avons en Belgique, on puisse réaliser ce type de prouesse. Aujourd'hui, chères coopératrices, chers coopérateurs, nous ne sommes pas moins de 1% de la population de ce pays qui porte ce projet de banque éthique et coopérative, alors même que ce n'est qu'un projet.
dans quelques instants, dans quelques semaines, nous aurons probablement encore beaucoup d'autres personnes qui nous rejoindront. Suite à cette campagne éblouissante, le 31 janvier de cette année-ci, les autorités nous accordaient la licence bancaire. Et à ce jour, mesdames et messieurs, nous sommes en mesure de vous dire que depuis quelques jours, les premiers comptes à vue et les premiers comptes d'épargne pour les particuliers sont opérationnels. Ces dernières semaines, malgré la distance, de nombreuses personnes, aussi bien dans l'équipe exécutive de Newbee que chez les fournisseurs de Newbee, de nombreuses personnes ont travaillé d'arrache-pied, jour et nuit, pour arriver à ce résultat et pour parvenir à rendre notre banque opérationnelle au moment où je vous parle. Alors bien sûr, on n'est pas dans une salle où on peut se lever et faire un standing ovation, mais on va quand même le faire. Que vous soyez à Ostende, que vous soyez à Arlon, à Hasselt, à Couvain, à Wavre, à Bruxelles ou n'importe où ailleurs, je vous propose de vous lever et d'applaudir tous ceux qui ont réussi à atteindre ce résultat. Et vous voyez que Newbee, décidément, est dans l'innovation. Nous sommes les premiers à faire un standing ovation à distance. Merci. Le premier point à l'ordre du jour concerne l'approbation du PV de l'Assemblée générale du 29 juin 2020. Nous n'avons pas eu de proposition de motion ni de question, raison pour laquelle nous procédons au vote. Vous pouvez voter pour, contre ou vous abstenir. La résolution étant la suivante. L'Assemblée générale approuve le PV de l'Assemblée générale du 29 juin 2020. Ça, c'est la résolution sur laquelle vous voterez. Ou à tout moment, jusqu'à la clôture des votes, je vous rappellerai lorsqu'il restera 5 minutes pour voter afin d'être que votre vote soit pris en ligne de compte. Chers amis, nous avons reçu une vingtaine de questions avant l'Assemblée générale. Et nous nous étions engagés, nous allons le faire, dans l'invitation à intégrer toutes les réponses à ces questions reçues avant l'Assemblée générale dans nos présentations d'aujourd'hui. En outre, nous avons tenu 2 forums digitaux il y a une dizaine de jours. Beaucoup de questions ont également été posées à cette occasion. Les questions posées, nous allons y répondre maintenant lors de l'Assemblée, à l'instant, mais aussi un peu plus tard dans le déroulement. On va commencer, si vous le voulez bien, par 7 questions préalables qui portent sur des sujets assez divers, comme vous allez vous en rendre compte. Mais on pense que c'est un bon moment, début de séance, de déjà répondre à celles-ci. La première question posée, sera-t-il possible pour les associations d'ouvrir un compte bancaire? La réponse est oui. L'offre débute d'abord pour les particuliers, mais sera étendue assez rapidement en 2021 pour les professionnels, et donc notamment pour toutes les organisations membres du Collège A, mais aussi les personnes morales qui siègent au Collège B de notre Assemblée générale. Tous ceux qui le souhaitent pourront donc ouvrir un compte chez Newbee dans quelques semaines. Deuxième question, sera-t-il possible de passer facilement de notre banque actuelle, notre vieille banque, vers le compte Newbee? Évidemment que ce sera facile, possible et facile. Il sera en tout cas très facile de devenir client Newbee. Vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation de votre ancienne banque pour le faire, bien entendu. L'inscription chez Newbee ne prendra que quelques minutes. On en parlera tout à l'heure pour vous expliquer comment ça fonctionne. Ensuite, vous avez évidemment le choix de clôturer vous-même vos comptes au sein des autres banques si vous le souhaitez, ou de ne pas le faire. Mais vous pouvez aussi demander à Newbee de se charger de ces démarches-là pour vous. Newbee se concertera alors avec la nouvelle banque, avec l'ancienne banque, pardon, et l'ensemble des formalités nécessaires seront ainsi exécutées. Donc, pas de problème non plus pour cette deuxième question. Quelle société, c'est la troisième question, quelle société s'occupera des fonds d'investissement que Newbee a l'intention de lancer dès l'année prochaine? Et là, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse pour une raison bien simple, c'est que notre coopérative n'a pas encore choisi de gestionnaire de fonds. En toute transparence, il y a déjà des contacts qui ont été pris avec toute une série de partenaires potentiels
mais nous en sommes encore qu'à un stade tout à fait préliminaire. Ce qui est en tout cas certain, c'est que les fonds que nous allons proposer dans quelques mois respecteront scrupuleusement les lignes d'investissement socialement responsables telles qu'elles seront décrites dans la charte sociale et environnementale que nous adopterons tout à l'heure, on y reviendra. Et donc, on n'a pas encore arrêté de choix, mais deux scénarios sont possibles à ce stade-ci. Soit nous commercialisons un fonds existant parce qu'il nous semble qu'il répond à tous ces critères-là, soit nous demandons aux futurs partenaires avec lesquels on va travailler de créer un nouveau fonds spécifique Newbie. Là aussi, la question reste ouverte aujourd'hui. Nous avons en tout cas l'ambition sur cette question-là de consulter largement une série d'organisations membres de Newbie qui ont une expertise particulière en ce domaine. Une quatrième question a été posée préalablement à l'Assemblée générale. Elle fait référence à un article du Soir Mag du 28 octobre qui est intitulé « Banque par Internet, les seniors trinquent ». Cet article signale que trois quarts des personnes âgées de plus de 70 ans ne sont pas prêts pour l'Internet banking. Et dès lors, la question, est-ce que Newbie prend en compte ou pas cette tranche de la population? Et si oui, de quelle manière? On présentera tout à l'heure la charte sociale et environnementale de Newbie. Dans cette charte, un principe qui est le 47, si vous avez les pièces préparatoires, vous pouvez immédiatement le consulter, ce principe s'attarde précisément sur l'approche qu'entend mener Newbie au sujet de l'inclusion. Je cite, « Newbie met en place des mécanismes permettant de favoriser structurellement l'inclusion et l'accessibilité du plus grand nombre. » Ce principe mentionne de manière très concrète que Newbie examinera, étudiera le partage d'agences avec d'autres organismes financiers ou institutions non financières, la mise en place d'agences mobiles et des visites à domicile ponctuelles dans certaines régions, le recrutement d'agents, d'agentes itinérants, itinérantes agréés, la présence physique dans certaines régions en collaborant avec des associations membres qui disposent de bureaux, voire même avec des ambassadeurs, ambassadrices de Newbie, examinera aussi la possibilité de traiter des virements papier, la possibilité d'envoyer des extraits bancaires papier par voie postale ou encore la possibilité pour les clients d'effectuer une gamme de transactions financières par téléphone. Je rappelle, ça ce sont des choses que nous allons examiner dans un proche avenir, mais je rappelle que dès à présent, chaque coopératrice, chaque coopérateur peut prendre contact avec Newbie non seulement avec son petit clavier ou son petit, son GSM par exemple, mais aussi par téléphone. Et ce n'est pas quelqu'un qui est quelque part ailleurs dans le monde, mais c'est effectivement des employés de Newbie situés à Saint-Just-Nôtre qui vous répondront. On me signale à l'instant que nous sommes maintenant 1400 à être présents. Bienvenue à ceux qui nous joignent. Sigrid. Thank you, Bernard. Ik ga verder met de vragen. Een vraag. Je poursuis les réponses. Une question récurrente concernant l'avenir de la carte prépayée. Y a-t-il encore un avenir réservé à cette carte? Eh bien, aujourd'hui, il n'y a aucun changement à ce niveau-là, mais la carte débit Visa qu'offrera Newbie sera la seule carte qui sera liée au compte à vue. Et cette carte sera lancée à la fin du printemps 2021. Et on réaborde la question dans quelques instants d'ailleurs. Ensuite, la question de savoir si Newbie est courtier en assurance ou qu'en est-il réellement? Eh bien non, Newbie n'est pas courtier en assurance, mais intermédiaire. Nous proposons une série de produits sur le marché belge et l'assureur, qui porte également le risque des produits, c'est le groupe français Monceau. Pour ce qui est de la gestion des contrats, un troisième partenaire vient s'ajouter et il s'appelle ADES. Puis la question de savoir quand des prêts hypothécaires seront proposés et quid de l'épargne pension. Eh bien là, je dois vous dire que le plan d'entreprise de Newbie ne prévoit pas, dans les premières années en tout cas, de prêts hypothécaires.
la date la plus rapprochée, aujourd'hui définie, est 2024. Pour nous, il est essentiel de faire preuve de prudence et de commencer par des volumes de crédit moins vastes. Dès que nous avons démontré notre viabilité et notre capacité de gérer ces grands volumes, nous serons certainement donc en mesure au moins d'étudier la possibilité. S'agissant de l'épargne pension, c'est également un plan d'avenir. Nous y réfléchissons absolument, mais ce n'est pas pour immédiatement. Newbee commencera par des fonds de placement pour particuliers et pour élargir l'offre en matière d'assurance. On tient surtout compte de produits type branche 23 comme des assurances vie. Jusque-là, le premier tour des questions et vous pouvez toujours en fait ajouter vos questions pendant la réunion. Pour Bernard, Thierry et Tom. Vous aurez l'occasion de poser des questions. Les questions les plus pertinentes seront récoltées et vous seront soumises. Comme je viens de vous l'annoncer, toute l'après-midi, vous pouvez voter et ce jusqu'à 16 heures. Le vote à propos de ces nominations est évidemment un vote secret. Maintenant, je vous cède la parole à Bernard Bayot qui va vous soumettre au vote la prolongation de sa candidature. Si tel est le cas, il va reprendre son rôle de président du conseil d'administration. Bernard, vous avez la parole. Je travaille depuis près de 20 ans au réseau Financité, dont j'assume la direction depuis 2004. Dans les mois qui ont suivi la crise financière de 2008, il est devenu évident pour beaucoup d'entre nous qu'il était temps de créer en Belgique une véritable alternative, une nouvelle banque coopérative, locale, éthique et durable, au service d'une société respectueuse de la planète et des droits humains. In May 2011, Richter Virentwintig organisé. En 2011, le réseau Financité et d'autres organisations ont créé la coopérative qui allait sous-tendre ce projet. L'Assemblée générale, qui était très petite à l'époque, m'a confié sa confiance pour un premier mandat en tant qu'administrateur. C'est pendant la première levée de fonds en 2013 que 43 000 personnes se sont affiliées en pas moins de 4 mois. Et pourtant, nous avons dû constater à l'époque que l'on ne répondait pas à toutes les exigences pour pouvoir lancer la banque. Le conseil d'administration a proposé au conseil d'administration de décembre 2014 de développer toute une série de produits permettant de mettre en place un certain nombre de dynamiques bancaires. Alors, j'ai trouvé normal à l'époque de remettre par la même occasion mon mandat entre les mains des coopérateurs et des coopératrices. J'ai donc démissionné et je me suis représenté à vos suffrages. J'ai été élu alors pour un deuxième mandat qui se termine précisément cette année. Ceci explique que je n'ai en définitive assumé à ce jour qu'un mandat et demi d'administrateur de Newbee. Je présente ma candidature pour un troisième mandat. Je suis certes excessivement heureux, le plus heureux des hommes, que la stratégie que nous avons ensemble adoptée en 2014 s'est avérée payante puisqu'elle nous a permis d'obtenir la licence bancaire. Et je pourrais donc être tenté de laisser la place avec le sentiment du devoir accompli. En même temps, je sais pertinemment qu'il nous reste à faire la preuve que notre modèle tient la route, à la fois sur le plan économique, mais aussi sur le plan sociétal. Et je ne veux pas me dérober à cette responsabilité, si bien sûr vous deviez considérer que je peux y contribuer. Je serai dans ce cas particulièrement attentif à ce que j'estime être un enjeu fondamental pour Newbee ces prochaines années, à savoir la transition de ses valeurs, de sa gouvernance et de sa culture d'entreprise à un moment où nous sommes et nous serons de plus en plus nombreux et nombreuses à rejoindre la coopérative. Le cinquième principe coopératif de l'Alliance coopérative internationale prévoit que les coopératives fournissent à leurs membres, représentants élus, dirigeants et employés, la formation requise pour pouvoir contribuer efficacement au développement de leur coopérative. Ceci, mes chères coopératrices, mes chers coopérateurs, n'est pas un luxe, c'est de mon point de vue
une clé du succès. Dankjewel, Bernard. De volgende... Merci Bernard. Alors la prochaine candidature, c'est celle de Thierry Smets. Sa nomination en tant que chef du comité de direction a été approuvée le 17 octobre par la Banque nationale de Belgique. Nous vous demandons maintenant, au travers de ce vote, de sanctionner cette nomination. Il y a 9 mois, Tom Bollinger a annoncé son départ et le comité des nominations a, dans l'intervalle, vu un certain nombre de candidats. Et si vous participez à cette réunion, c'est bien entendu vraisemblablement parce que vous savez à quel point la phase est cruciale, la phase dans laquelle nous nous trouvons actuellement avec notre coopérative. Et pour cette fonction, nous ne cherchons pas seulement quelqu'un d'expérimenté au sein du monde bancaire, mais nous cherchons également quelqu'un qui, de par le cœur, soutenait tout à fait nos valeurs. Une personne qui nous semble, entre autres, combiner ces deux qualités si essentielles au projet. Le conseil d'administration a également demandé à Tom Bollinger de poser à nouveau sa candidature auprès de notre Assemblée générale afin de rejoindre le conseil d'administration, cette fois-ci comme administrateur non exécutif. Nous pensons en effet que sa connaissance du projet, son expertise permettront de donner toutes les chances de réussite pour cette nouvelle étape essentielle pour notre banque. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour saluer et remercier, je ne sais pas où il est passé, mais je le vois là, pour remercier chaleureusement Tom pour tout le travail accompli. Alors souvent, Tom met l'accent sur l'équipe, sur le collectif, mais vous devez savoir qu'il aura mené cette coopérative avec stratégie et finesse. Nous lui en sommes redevables. Il a permis à Newbee de franchir des étapes décisives afin d'obtenir cette licence bancaire. Merci Tom. Avant de leur laisser la parole à tous les deux, une petite remarque. Nous avons évidemment parfaitement conscience d'un point essentiel sur lequel nous faisons défaut. Les deux nouvelles nominations, si elles sont bien sûr réalisées, si vous les décidez, déforceront l'équilibre de genre et l'équilibre de langue au sein du conseil d'administration. Nous sommes particulièrement attentifs, comme vous le savez, à cet aspect des choses. Et dès lors, nous nous engageons solennellement à veiller à ce que les prochaines candidatures qui seront proposées à vos suffrages permettent effectivement de redresser ces équilibres. Aujourd'hui, nous sommes heureux et fiers de pouvoir vous présenter des candidats administrateurs que nous jugeons à la hauteur de nos ambitions. Thierry, Tom, à vous la parole. Chères coopératrices, chers coopérateurs, bonjour à toutes et à tous. C'est une grande chance et surtout un grand honneur pour moi d'être ici devant vous aujourd'hui et pouvoir me présenter comme votre candidat CEO. Alors vous vous demandez probablement pour quelles raisons j'ai été amené à vous proposer cette candidature et à vouloir rejoindre le projet de Newbee. C'est une excellente question et la réponse est assez simple. Pendant toute ma carrière, j'ai été actif dans le monde bancaire. Et depuis 1987, ma première position auprès de la Banque Générale, jusqu'en 2018, ma dernière fonction, eh bien, j'ai été actif dans le monde bancaire pendant plus de 30 ans. Et pendant toutes ces années, j'ai eu l'occasion d'exercer différentes fonctions. J'ai travaillé dans le back-office, l'informatique, la comptabilité, la gestion de contrôle, le contrôle de la gestion et les tâches administratives. Ensuite, la gestion des risques, compliance. Et puis, il y avait le volet commercial. Il y a presque 3 ans déjà maintenant, j'avais 3 souhaits en tête pour continuer ma carrière professionnelle. La première chose, c'était de trouver un travail avec un meilleur équilibre, vie professionnelle, vie privée. La deuxième chose, c'était d'avoir un meilleur alignement avec mes propres valeurs. Et la troisième, c'était de rejoindre un projet qui fasse du sens. C'est comme ça que depuis que j'ai quitté Pulatco, j'ai eu la chance de devenir administrateur de la Clinique Saint-Jean ici à Bruxelles. J'ai également créé une start-up en collaboration avec une ancienne collègue, dont la mission est d'aider les femmes à acquérir leur autonomie financière tout en leur permettant d'investir de façon durable.
Et pour lever toute ambiguïté par rapport à ce point bien précis, il est évident que je m'engage dans Nubi à 100% et que donc dans cette start-up, je n'ai aujourd'hui plus aucune responsabilité opérationnelle. Et Nubi, donc, lors des premiers contacts que j'ai eus avec les gens de Nubi durant cet été, j'ai immédiatement senti que mes trois souhaits pouvaient être rencontrés dans le projet de Nubi, que ce soit l'équilibre vie privée et vie professionnelle, l'alignement avec mes valeurs, ou encore le projet qui fait du sens. J'ai également rencontré des gens de qualité qui m'ont aussi convaincu de la qualité du projet de Nubi, et globalement, c'est ce qui m'amène aujourd'hui devant vous à présenter ma candidature. Et le dernier point, c'est le plus important, c'est que je me suis dit que si... alors c'est un peu, peut-être un peu immodeste, mais si les quelques compétences et expertises que j'ai pu acquérir durant ces 30 années d'expérience bancaire pouvaient servir à un projet comme Nubi, dont l'ambition est de changer la banque pour de bon, ben je pense que je ne pouvais pas terminer ma carrière de la meilleure façon, d'une autre façon que celle-là. C'est pourquoi je me présente devant vous aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vous remercie aussi d'ores et déjà pour votre confiance. Et je passe la parole à Tom. Merci Thierry. Chères coopératrices, chers coopérateurs, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est un peu particulier parce que vous imaginez qu'on parle ici devant une salle qui est pratiquement vide, alors ce qui nous motive d'habitude, c'est d'avoir une salle avec des centaines de coopératrices et de coopérateurs devant nous. Aujourd'hui, c'est différent, mais nous sommes, comme Bernard l'a dit, quand même beaucoup plus que 1000 ensemble à échanger aujourd'hui. J'ai rejoint le projet Nubi en avril 2017. Ma mission était d'obtenir pour Nubi la licence bancaire pour créer une banque éthique, durable, locale et indépendante. Vous connaissez le déroulement du projet. Nous avons réussi contre toute attente. J'ai une immense fierté pour ce que nous avons réussi. Et quand je parle de ça, bien sûr, c'est pour remercier aussi dans la foulée l'équipe avec laquelle j'ai travaillé. Tout au long de ce que nous avons fait, vous savez que ça a été long, le succès n'a été au rendez-vous que tout à la fin, j'ai pu admirer la ténacité, le courage, la persévérance de l'équipe, sa fidélité aux principes qui sont les nôtres, et tout simplement le dévouement tout au long pour qu'on réussisse ce qu'on avait commencé à entreprendre. Je voudrais aussi remercier Bernard Bayot, qui tout au long de ce projet était mon alter ego du côté non exécutif comme président du conseil d'administration. Je voudrais aussi remercier tout le conseil d'administration et tous les membres du comité sociétal. Je termine ma carrière dans la finance par ce travail chez Nubi et je peux vous dire que c'était la partie la plus heureuse de ma carrière. Merci pour cela. Le 6 février dernier, j'ai demandé au comité de nomination de me libérer de mes fonctions. Nous avons communiqué là-dessus en toute transparence avec toute la coopérative et 9 mois après, nous y sommes. J'ai donné ma démission et aujourd'hui, Thierry Smets se soumet à votre vote. Je vais bien entendu voter pour lui et je suis sûr qu'il fera un très bon CEO de Nubi, si vous l'élisez aujourd'hui. Quant à moi, je me représente comme candidat non exécutif au conseil d'administration. Je pense que je peux vous apporter mon expérience de la banque, ma connaissance du projet et plus globalement le soutien que je peux apporter au projet Nubi. Je vous remercie par avance et je vous dis probablement à bientôt. Thank you well, Bernard, Thierry. Merci Bernard, Thierry et Tom. Et avant de procéder au vote, nous allons écouter les collègues qui ont regroupé vos questions. Judith et Verle, quelles sont les questions à propos des candidatures? Eh bien, j'ai reçu une question pour Tom, qui s'adresse à Tom et Monsieur Olinger.
La coopérative a-t-elle déjà une place intégrée dans le business model et la structure de la pratique quotidienne de cette banque? En d'autres termes, est-ce que la manière coopérative de travailler fait partie du processus décisionnel et du processus de fonctionnement de Newbee? Oui, j'ai cru donc comprendre que l'on peut être à la fois une banque et en même temps une véritable coopérative. C'est bien ça. Et si c'est ça, eh bien, je peux parfaitement vous confirmer que le volet intrinsèquement coopératif fait vraiment partie du quotidien. Évidemment, nous n'avons pas un contrôle quotidien de notre fidélité au principe de la coopérative. Et je le répète, ce n'est pas. Il y a beaucoup de coopératives de par le monde et en Belgique d'ailleurs. Mais une coopérative qui va respecter les fondamentaux en la matière, eh bien, ce n'est pas évident. Et c'est pour ça que je tiens à vous dire et à vous confirmer que les principes de la coopérative sont omniprésents chez nous et c'est effectivement important. C'est ce qui fait que nous sommes une banque plus forte, que nous avons des produits plus appropriés et que nous prêtons plus attention à la clientèle, aux clients qui, dans le même temps, est aussi coopérateur ou coopératrice. Question plus concrète pour Bernard, qui nous vient de Edith. Est-il vrai que Bernard, que les jetons de présence pour une réunion du conseil d'administration sont de 500 euros? Alors, je pense que c'est parfaitement exact, sachant que, d'abord, de manière générale, ça ne couvre pas seulement la réunion, ça couvre évidemment tout le temps consacré à la préparation de la réunion, ainsi que l'ensemble des devoirs que les administratrices et les administrateurs font entre deux réunions. C'est simplement une manière forfaitaire de calculer le temps qu'ils déploient. En ce qui me concerne personnellement, comme je suis salarié chez Financité, en réalité, je ne reçois pas un euro cent. L'indemnité est payée à mon employeur. Je précise aussi que c'est tout nouveau chez Financité, chez Newbee, pardon, on a mis ça en œuvre il y a quelques mois seulement. L'expérience montre que les forfaits sont très, très, très loin de couvrir la réalité parce que nous avons des moments où il y a énormément de devoirs à accomplir. Bien sûr, lorsqu'on change de CEO, c'est une circonstance où il y a énormément d'entretiens, de réunions qui ont lieu en plus des conseils d'administration et des comités spécifiques. Mais donc, je pense réellement que ça, le titre d'indemnité correspond bien à la réalité. Donc, ce n'est pas une rémunération, c'est vraiment pour indemniser une partie du temps et des moyens consacrés. Bernard, si je peux compléter, si ma mémoire ne me fait pas défaut, je crois que c'est 500 euros par journée et on compte une journée pour un conseil d'administration et une demi-journée de préparation. Donc si je ne me trompe pas, ça reviendrait à 750 euros pour un conseil d'administration, temps de préparation compris. En tout cas, je ne sais pas si tu l'as dit, mais c'est quelque chose qui a été voté en toute transparence au Conseil d'administration, je crois, de juin... À l'Assemblée générale, de juin 2019. Ouais. Je vous remercie tous les deux pour cette réponse des plus claires. Prochaine question vient de Hugo, elle s'adresse à Thierry. Thierry travaillait pour Pulatco, c'est également le partenaire pour la gestion de patrimoine de Triodos. Newbee va aller au-delà de ce que fait Triodos. Et donc la question est la suivante, est-ce que Thierry peut nous garantir qu'il sera tout aussi strict et que cela correspondra à la vision de Newbee? Oui, mais bien sûr. Et je pense en effet que l'intention de Newbee est d'être présent dans les fonds d'investissement, les fonds d'investissement qui doivent évidemment correspondre tout à fait au principe de notre charte sociale et environnementale. Et donc, nous allons surveiller cela de très près, être très strict et nous assurer que ce que l'on propose corresponde bel et bien à nos valeurs à nous.
Merci. Alors, encore une question qui nous vient de Béatrice pour Bernard, qui en fait se traduit en deux questions. Alors, pourquoi proposer une personne provenant du milieu bancaire privé comme nouveau CEO en remplacement de M. Olinger ? La Belgique n'a-t-elle pas assez de personnes compétentes et provenant des ONG, des ASBL ou des universités ? Ça, c'est la première partie de sa question. Et la deuxième partie de sa question, c'est qu'en est-il de la parité femmes-hommes et langues actuellement dans le conseil d'administration ? Promettez-vous de prendre des engagements à ce niveau ? Avez-vous sollicité des candidatures féminines pour remplir ces importantes fonctions ? Alors, je vais d'abord prendre la deuxième question, si vous m'y autorisez. On est transparent chez Newbie. On a eu une trentaine de candidatures pour remplacer Tom. Il y avait 10% de candidatures féminines. Donc, c'est très peu. Ce qui veut dire que, voilà, mathématiquement, il y avait quand même beaucoup plus de chances, même si nous étions vraiment, et je parle au nom des membres du comité de nomination dont je ne fais pas partie, mais ils étaient extrêmement attentifs à essayer de trouver effectivement, si c'était possible, une personne, une CEO plutôt qu'un CEO. Mais clairement, aujourd'hui, sur le marché bancaire, et il faut le regretter, bien entendu, mais en tout cas, la situation, c'est qu'il y a beaucoup plus de candidats masculins que de candidates. Et donc, voilà, ceci explique probablement que finalement, notre choix se soit porté effectivement sur quelqu'un qui, par ailleurs, a toutes les compétences, bien entendu, mais qui est également de sexe masculin. Voilà, donc ça, c'est un point important. Ce n'est pas qu'on n'a pas fait attention. Je pense réellement que les collègues du comité de nomination ont été extrêmement attentifs à ça. Mais malheureusement, on ne s'est pas forcé les choses. Bien entendu, je l'ai dit avant de commencer, c'est un point, donc à la fois les équilibres sur le plan des genres, mais aussi en matière linguistique au sein du conseil d'administration. Ce sont des éléments extrêmement importants auxquels nous sommes très attentifs. Et donc, nous allons veiller à ce que les prochaines propositions que le conseil d'administration fera comme candidature permettent de rétablir au plus vite les déséquilibres. C'est quelque chose de très important pour Newbie. Donc là, nous nous y engageons. On vous reviendra prochainement avec des candidatures qui répondront à ces conditions. Sur la question de savoir si un directeur d'ONG ou d'ASBL peut diriger une banque, peut-être, moi en tout cas, qui dirige depuis près de 20 ans un réseau associatif qui s'occupe spécifiquement de finances, je n'en ai pas les compétences. Il faut savoir que pour diriger une banque, il faut justifier d'une expertise de très haut niveau. Et donc, être directeur d'une ASBL ou de n'importe quelle autre société coopérative, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il y a un certain nombre de conditions qui sont mises par le régulateur, et c'est bien normal. Hein, on a vu en 2008 quand même quelques beaux plongeons, donc il faut évidemment éviter cela. Et un des éléments pour y arriver, c'est d'avoir des gens qui justifient d'une compétence particulière. Aujourd'hui, sur le marché belge, les banques éthiques représentent 0,8% du marché, moins de 1%. Et donc statistiquement, lorsque vous faites un appel à candidature, vous avez évidemment 100 fois plus de chances de voir des candidatures émanant de banques traditionnelles que de banques éthiques. Voilà, c'est normal. Nous sommes en train de changer la situation, de faire réévoluer le marché. Newbie, évidemment, part pas de zéro. Il y a déjà des collègues qui sont là, mais on part d'une situation de grande faiblesse pour les banques éthiques. Et donc, fatalement, on n'a pas aujourd'hui des dizaines de CEO de banques éthiques qui se pressent au portillon pour venir travailler chez Newbie. Et donc, nécessairement, nous avons, statistiquement, plus de chances d'avoir des gens de banque traditionnelle. Mais c'est un bien, parce que ça veut dire que Newbie réalise une partie de son objet, c'est-à-dire de transformer le secteur et de faire en sorte que des gens qui, effectivement, ont travaillé, parce qu'ils n'avaient pas le choix, je veux dire, dans le secteur habituel, terminent ici leur carrière de manière brillante avec Newbie. Vous savez, on a beaucoup critiqué les banques en 2008, et à juste titre, mais je peux vous garantir que dans le personnel des banques, les salariés qui travaillent dans les banques, il y a un blues énorme. Parce que pour eux, la dérive du monde bancaire de ces 20 dernières années, ce n'est pas spécialement ce que eux souhaitaient comme
carrière professionnelle. Et donc, ils ont aussi été victimes de cette évolution-là. Et c'est normal, et je suis content qu'aujourd'hui, certaines d'entre eux, parce qu'il n'y a pas que les CEO, il y a aussi les membres de l'équipe exécutive qui occupent d'autres postes, nous rejoignent avec toute l'expertise qu'ils ont pu emmagasiner auparavant dans d'autres types de banques. Question pour Thierry de la part de Luc. Est-ce que Thierry Smets connaissait Newbie avant juin? Quels sont ses antécédents en organisation sociale? Je ne suis pas certain d'avoir compris, dit monsieur. Ben, la première question, connaissiez-vous Newbie avant juin de cette année? Étiez-vous au courant de l'existence? Et seconde question, avez-vous des intérêts dans d'autres organisations sociales? Oui, effectivement, j'ai des intérêts dans d'autres organisations sociales. Je ne sais pas s'il faut citer des noms, mais l'essentiel pour moi, c'est le fait de trouver chez Newbie un réel environnement où je me sens aligné par rapport aux autres et par rapport à ce qui est éthique. Et je suis tout à fait d'accord avec l'objectif que se définit Newbie et la mission définie par Newbie. C'est comme je vous l'ai dit dans mon intervention, c'est réellement quelque chose qu'il me fallait absolument. C'était en fait un impératif pour moi de trouver une banque comme ça. Thierry, qui nous vient cette fois-ci de la Fondation pour les générations futures, donc qui est à noter que c'est un membre C de notre coopérative. Question pour toi ou pour Bernard, parce qu'il s'agit d'une question sur la gouvernance plutôt. Nommer un CEO est une compétence du conseil d'administration. Le CA a déjà choisi Thierry Smets. Aujourd'hui, l'AG est invité à décider si Thierry Smets devient aussi membre du conseil d'administration afin de devenir également administrateur délégué. Tom Olinger n'était pas dans le CA. Pourquoi est-ce différent pour Thierry Smets et quel est l'intérêt pour Newbie que le CEO soit également membre du CA? Je vais peut-être répondre, puisque je suis quand même le garant de la gouvernance du CA. Donc, Tom Olinger était bel et bien membre du conseil d'administration. Comment ça se passe? Dans un conseil d'administration comme le nôtre, nous avons les membres exécutifs, c'est-à-dire les trois membres du comité de direction, le CEO et ses deux collègues. Et puis nous avons une série d'autres membres non exécutifs. Ce conseil d'administration, ensemble, décide de la stratégie de l'entreprise. Mais bien entendu, la mise en œuvre de cette stratégie est faite par le comité de direction, avec les équipes, évidemment, exécutives, mais sous le contrôle des collègues non exécutifs. Voilà en deux mots comment ça fonctionne. Et donc, Tom était membre du conseil d'administration, comme aujourd'hui Thierry l'est. Pourquoi est-ce qu'il l'est aujourd'hui? Parce qu'à titre provisoire, le conseil d'administration, ayant pris acte de la démission de Tom, a demandé à Thierry de poursuivre, de terminer le mandat ancien de Tom. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Thierry est le CEO de Newbie, nommé par le conseil d'administration. Mais bien entendu, si aujourd'hui, nous devions décider de ne pas nommer Thierry comme administrateur, il est évident que le conseil d'administration devra trouver un autre CEO. J'espère vraiment que ce ne soit pas ça la situation, mais techniquement, en fait, les premiers jours du mandat de Thierry se font à titre provisoire, effectivement, sous la décision du conseil d'administration. Et maintenant, c'est à vous qu'il appartient de prendre la décision finale pour que Thierry soit administrateur et donc, par voie de conséquence, puisse conduire notre banque. Thank you, Bernard. That was heel duidelijk. Merci Bernard, c'était fort clair. Encore une question pour toi, et ça aurait été la dernière. Question de Albrecht, de savoir pourquoi les administrateurs sont élus immédiatement pour une très longue période de 6 ans, je vous signale, et pas un an. Ce qui permettrait en fait d'améliorer l'équilibre en termes de genre et de régime linguistique. Tout à fait honnête et transparent avec vous, je ne sais plus.
au moment où on a constitué New, donc c'est une disposition qui date de la création de la coopérative, il y a presque 10 ans de cela maintenant, et je ne me souviens plus du tout pourquoi est-ce qu'on a mis un terme aussi long de 6 ans pour les mandats, et je ne serais même pas étonné qu'on n'y a pas fait trop attention et que c'est le notaire probablement qui a pris une formule toute faite et qui nous a mis 6 ans. Et je suis d'accord de dire que ça pourrait être un point de réflexion, de se dire est-ce qu'il ne faut pas avoir des mandats d'une durée peut-être moins longue. Alors 1 an, c'est peut-être peu, parce que, vous savez, j'ai beaucoup de sympathie, comme je dis souvent, pour les épiciers, mais une banque, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'une épicerie, et donc ça demande quand même du temps de pouvoir rentrer dans les dossiers, de pouvoir comprendre et de pouvoir donc travailler utilement. Donc je pense que des mandats d'un an, ça, ce ne serait pas une très bonne idée. Mais par contre, entre 1 et 6 ans, on pourrait réfléchir à faire évoluer la durée. Mais voilà, la raison, c'est juste ça. Ça n'a jamais été discuté à ma connaissance, et je pense que donc c'est une initiative du notaire, personne n'y a pris garde. Merci à vous trois. Merci à toutes et à tous d'avoir posé des questions, questions fort nombreuses. Si vous n'avez pas encore fait, vous pouvez à présent voter sur le renouvellement du mandat de Bernard Bayot, la nomination de Thomas Langer comme administrateur non exécutif et la nomination de Thierry Smets au conseil d'administration. Vous voyez le libellé des résolutions à l'écran. Vous pouvez voter jusqu'à 4 heures. La première résolution s'intitule comme suit. L'Assemblée générale décide, sur proposition du conseil d'administration, de renouveler le mandat de M. Bernard Bayot comme administrateur pour une période de 6 ans qui prend cours à partir de l'élection. Décision à votre vote est la suivante. L'Assemblée générale décide de nommer, sur proposition du conseil d'administration, M. Thierry Smets comme administrateur pour une période de 6 ans qui prend cours à partir de l'élection en vue d'exercer sur accord des autorités de contrôle le mandat de membre du comité de direction, c'est-à-dire CEO, en remplacement de M. Tom Olinger. Enfin, la dernière résolution soumise à nos votes, à nos suffrages, est la suivante. L'Assemblée générale décide de nommer, sur proposition du Conseil d'administration, M. Tom Olinger comme administrateur pour une période de 6 ans qui prend cours à partir de l'élection. Nous étions, chers amis, au dernier comptage, il y a quelques minutes déjà, 1525. Donc voilà, on monte. Dieu seul sait où ça va s'arrêter. That is good news. Voilà. L'heure est à la pause. Nous allons utiliser cette petite dizaine de minutes pour vous informer de nos assurances. Si vous êtes intéressé par les assurances, eh bien, vous pouvez laisser vos coordonnées après l'Assemblée sur un formulaire qui nous permettra de vous contacter pour un entretien qui sera planifié au moment qui vous convienne le mieux. On se voit dans 10 minutes, donc à 3 heures pile. À tout à l'heure. Thank you.
Newbie. Alors dans quelques instants, on va parler du comité sociétal en long et en large, si je puis dire. Mais je voudrais rapidement revenir à une question qu'un certain nombre d'entre vous ont posée. Alors donc je précise, hein, on reçoit plein de questions, donc on ne va pas pouvoir répondre à tout en direct aujourd'hui. On les sélectionne, on essaye de voir celles qui se recoupent, qui viennent à plusieurs reprises. Mais on s'engage bien sûr à vous donner toutes les réponses par écrit, par la suite, dans les jours qui viennent. Donc toutes les questions que vous aurez posées, eh bien, elles trouveront une réponse. On essaye juste d'en sélectionner aujourd'hui. Et une qui revient régulièrement concerne la politique salariale. Alors, je vais être très clair. Ce que nous faisons comme tout le monde, nous avons un comité de nomination et de rémunération, qui est donc en fait un comité qui dépend du conseil d'administration, plutôt qui fait rapport au conseil d'administration. Il est composé de 4 administrateurs aujourd'hui. Et donc c'est lui qui, comme le nom l'indique, se charge des nominations, donc par exemple dans la sélection des candidats CEO, c'est lui qui a reçu les gens, qui a fait qui a finalement fait une proposition au conseil d'administration. Mais c'est aussi ce comité qui fixe la rémunération. Alors pas tout le monde, il y a des grands principes qui sont applicables pour toute l'équipe, mais pour les dirigeants, les membres du comité de direction, c'est ce comité-là qui fait une proposition au conseil d'administration, et puis le conseil d'administration décide sur base de cette proposition. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, certainement pas. Et ça, c'est des règles spécifiques à Newbie. Un, et ça c'est valable pour tout le personnel salarié, nous sommes, nous respectons une des commissions paritaires applicables au secteur bancaire. De mémoire, je crois que c'est l'ancienne des caisses d'épargne. Ce qui veut dire qu'en réalité, chaque fonction au sein de l'équipe est rémunérée en fonction de ce que prévoit cette commission paritaire. En ce qui concerne le comité de direction, le principe fondamental de Newbie, c'est que la rémunération est bloquée à un maximum qui est de 5 fois le salaire minimum. Donc, en d'autres termes, un vieux CEO en fin de carrière ne pourra gagner que 5 fois au maximum ce qu'un jeune
qui démarre dans la vie active gagnera dans la fonction la plus basse chez Newbee. Alors vous allez me dire, bon, mais ça l'est quand même beaucoup, ça, 1 sur 5. Si on regarde la situation dans les banques éthiques en Europe, il y a une étude qui est sortie au printemps là-dessus, on voit que la tension salariale au sein des banques éthiques européennes varie entre 1 pour 1, donc il y a une ou deux petites banques où tout le monde est payé de la même manière, mais ça va jusqu'à 1 à 10, je ne vais pas vous dire laquelle, vous pouvez le découvrir sur le net si vous le souhaitez, et donc avec 1 sur 5, on est plus que dans la moyenne du secteur. Je rappelle quand même que 1 sur 5, ça n'a évidemment rien à voir avec ce que les banques commerciales proposent. Là, bien entendu, on est sur des chiffres beaucoup, beaucoup plus importants, et en particulier les toutes grosses banques, c'est-à-dire celles qui travaillent sur plusieurs pays de l'Union européenne. J'ajoute, et c'est important, que les membres du comité de direction, comme les autres membres de l'équipe, ne reçoivent que leur salaire. Donc il n'y a pas de bonus. Il n'y a pas de voiture de fonction, il n'y a pas toute une série de petits à côté qui sont en général offerts dans le secteur financier. Donc c'est véritablement une seule rémunération. Et donc je pense réellement que c'est une manière de fonctionner qui tient la route. Et d'ailleurs, je rappelle que c'est une décision de notre Assemblée générale qui a établi ces principes. Voilà, ça c'était pour cette question-là qui a été posée. Sigrid ? Nous avons entendu de plusieurs personnes qu'il y a des difficultés de poser les questions via le helpdesk. Alors, je vous invite à téléphoner au 02 486 29 03. Là, vous pourrez poser les questions qu'il faut. 486 29 03, zone 02. Devant votre écran, mais j'ai changé de place sur le podium. C'est très déroutant. J'étais à gauche, non, je suis à droite. Ça n'a aucune importance. Donc, nous allons maintenant reprendre le cours normal de notre Assemblée générale. Et dans quelques instants, nous allons laisser la parole aux membres du comité sociétal au sujet de la future, je l'espère, en tout cas du projet de charte sociale et environnementale qui va être soumise à nos suffrages dans quelques minutes. Alors, pour rappel, en juin dernier, vous aviez élu 11 nouvelles personnes au sein, pour renforcer l'équipe du comité sociétal de notre banque. Et je tiens à rappeler aussi, petite parenthèse, que ça aussi, c'est une innovation Newbee. Vous ne trouvez pas un comité sociétal élu par les clients, coopérateurs, coopératrices, dans aucune banque en Belgique, et je pense même au-delà de nos frontières. Ce comité sociétal, que fait-il ? Eh bien, c'est un organe qui est chargé du contrôle, du respect des valeurs de Newbee. On sait assez que certains se paient de mots, en particulier dans le secteur bancaire, et annoncent plein de belles choses dans leurs réclames, dans leur publicité. Ici, nous avons des ambitions très fortes sur le plan sociétal. C'est bien de le dire, c'est encore mieux de le faire. Et le comité sociétal est là pour vérifier que c'est bien le cas. Avant de passer la parole aux collègues du comité sociétal, je voudrais ici saluer le travail de deux personnes, Emmanuel Mosset, qui vient de présenter sa démission au comité sociétal le 4 octobre dernier. Saluer également l'engagement de Sébastien Mortier, qui faisait partie du comité sociétal et qui maintenant est engagé dans l'équipe exécutive de Newbee. Et bien entendu, il ne peut pas... Il y a un conflit d'intérêts, évidemment, assumer les deux missions. C'est donc deux membres du comité qui s'en vont. Je voudrais les remercier chaleureusement pour tout le travail bénévole qu'ils ont réalisé ces dernières années. Vous dire aussi que le comité sociétal a vu ses rangs être renforcés par l'arrivée de Cindy Kinard, qui a été engagée par Newbee à mi-temps, pour assurer un soutien logistique et administratif du comité sociétal. Bienvenue à elle dans l'équipe. Enfin, pour débuter cette deuxième partie de l'Assemblée générale, je vous propose une petite vidéo, une courte vidéo dans laquelle les membres du comité sociétal vous présenteront mieux que je ne pourrais le faire ce comité et ce projet de charte qu'ils vous proposent de voter. Après avoir vu cette vidéo ensemble, eh bien, deux membres de ce comité sociétal auront la parole et vous expliqueront les différents éléments qui seront soumis à notre vote par la suite. On lance la vidéo.
Bonjour. Vous avez choisi d'être les coopératrices et coopérateurs de Newbie pour participer directement à la nouvelle banque belge qui met l'éthique au centre de ses activités. Maar wat betekent dat, éthique? En hoe zal Newbie haar mooie voornemens nakomen op de lange termijn? Het ethische engagement van Newbie houdt in dat de bank het geld op de rekeningen van haar coöperanten zal gebruiken om de lokale economie te ondersteunen en om het verschil te maken door duurzame projecten te financieren die een meerwaarde voor onze maatschappij betekenen. Et au-delà de la bonne volonté du début, il faudra de la ténacité. C'est pour ça que vous nous avez mandatés, nous, le comité sociétal, 15 bénévoles sans conflit d'intérêts avec Newbie, élus pour veiller au respect des 13 valeurs de Newbie. Et aujourd'hui, nous avons un trésor à vous présenter, la charte de Newbie. Elle est basée sur les 13 valeurs éthiques de Newbie initiales, déclinées en 18 chapitres et 113 points d'attention. Ils ont tous été pensés et rédigés par le comité sociétal en coopération avec l'équipe de Newbie. Het zal nooit volledig afgewerkt zijn. Het avontuur begint nog maar, want wij nodigen u uit om het handvest samen met ons te blijven verbeteren. Ja, ook u heeft vanuit uw perspectief ongetwijfeld ideeën voor ons. Nous attendons votre participation directe avec impatience. Cette charte sociale et environnementale est déjà riche et réfléchie. On espère que vous avez pu la parcourir. Toch kunnen wij het niet laten om u nog enkele punten mee te geven. Gelijkheid van kansen. Kredieten die een positieve impact hebben op de maatschappij. Een sober, correct en gezond beheer. Meer welzijn op het werk. Loonschalen die beperkt blijven tot 5 niveaus. Un accès aux plus isolés. Des partenaires locaux ayant les mêmes valeurs que Newbie. De la vulgarisation et de la transparence pour que vous sachiez vraiment ce que Newbie fait avec votre argent. Des balises pour éviter les dérives financières. Un recours modéré à la publicité au profit du bouche-à-oreille, c'est-à-dire vous et nous. Chaque année, le comité sociétal évaluera à quel point Newbie a respecté ses valeurs. Nous vous en dresserons un rapport clair et transparent. En ook hiervoor zullen we steunen op de commentaren die wij van jullie ontvangen. Op deze manier, wanneer het rapport op de algemene vergadering gestemd wordt, zal het ons allen vertegenwoordigen, zowel coöperanten, klanten, medewerkers en vrijwilligers. Et Newbie aura tous les outils et recommandations en main pour que notre banque reste fidèle à ses valeurs éthiques et à sa raison d'être. Alors bonjour, bienvenue, merci d'être là, chers membres du comité sociétal, pour venir nous parler de la charte sociale et environnementale. Il s'agit un peu d'un moment important parce que cette charte constitue en quelque sorte une grande partie de notre ADN de Newbie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Amandine ? Oui, bonjour. Mais pour reprendre rapidement les mots de la vidéo, la charte sociale nous permet de mettre en pratique les 13 valeurs statutaires de Newbie. La charte est composée de 18 thèmes qui contiennent chacun un certain nombre de principes. Et au tout, il y a 113 principes. Et chacun de ces principes est accompagné d'une rubrique en pratique qui permet de reprendre les initiatives concrètes que Newbie mettra en place et met déjà en place d'ailleurs pour respecter la charte. Wie heeft er tot nu toe meegewerkt aan de opstellen? Qui a participé à la rédaction du document pour l'instant? Eh bien, la charte a été rédigée par le comité sociétal en collaboration avec l'équipe de Newbie. La version que l'on vous soumet aujourd'hui représente le fil conducteur pour le développement des activités de la banque dans les mois à venir. C'est important que la charte suscite l'adhésion de toutes les parties prenantes de Newbie et avant tout les coopérateurs et les coopératrices, donc vous. Et c'est pour ça que la charte est soumise aujourd'hui à l'Assemblée Générale et que ce n'est qu'une première version du document qui en fait servira de base afin de mener différents processus de co-création avec les coopérateurs et les coopératrices de Newbie.
Et ces processus seront encadrés par l'équipe exécutive, mais d'ici là, n'hésitez surtout pas à nous communiquer toutes vos suggestions sur la charte à l'adresse mcs@newbie.coop. Si tout va bien, vous voyez ça en slide pour avoir l'adresse par écrit aussi, mais je peux répéter quand même, mcs@newbie.coop. Et dans ce cadre, le comité souhaite récolter les avis des citoyens et citoyennes membres de Newbie, mais aussi bénéficier des diverses expertise des nombreuses organisations membres de la société civile qui forment le collège des A. Alors, est-ce que cette charte, c'est plutôt une philosophie partagée qui a été couchée sur le papier ou est-ce que c'est un document concret L'idée, c'est bien sûr d'en extraire des actes concrets, évidemment. Et donc, chaque année, le comité sociétal vérifiera si et à quel point Newbie a bien mis en pratique les différents principes énoncés dans la charte, dans le développement de toutes ses activités. Et pour vérifier que ce passage à la pratique, à la théorie soit bien là, le comité sociétal s'appuiera sur des indicateurs. C'est voilà, des petits indicateurs définis pour chaque principe de la charte. Et donc ces indicateurs seront tant mesurables sur le plan quantitatif donc, et auront également un volet qualitatif. On ne les retrouve pas encore dans la charte pour l'instant. Alors quels seront les indicateurs et comment ils vont interagir? Eh bien, on va se pencher sur la question dans les mois à venir. Seulement un exemple concret d'un principe, d'une part, et des indicateurs qui le concernent. Oui, bien sûr. Par exemple, le thème 3 de la charte concerne la gouvernance coopérative et participative de Newbie. Dans cette thématique, on décrit comment Newbie entend faciliter l'implication active de ses coopérateurs et coopératrices dans le développement de la banque et dans toutes ses activités. Et alors, dans ce cas-là, un des indicateurs sera le nombre de moments de participation organisés par Newbie, par exemple. Ça, c'est des indicateurs. Je signale qu'ils ne sont pas encore présents sur la charte que vous pouvez lire, mais c'est parce qu'ils sont en construction. Et outre ces indicateurs mesurables, il y a également certains aspects quantitatifs, et qualitatifs plutôt, qui sont importants. Ces indicateurs qualitatifs, par exemple, concerneraient l'endroit où s'organisent ces moments participatifs, donc pas uniquement en milieu urbain, mais également en milieu rural. On peut également penser à d'autres choses. Et nous allons voir également comment vous, en tant que coopérateur, vous pouvez donner de l'input à Newbie et en fonction de quelle thématique vous pouvez le faire. Comme ça, d'un côté, nous avons un taux de participation très élevé et de l'autre, nous pouvons également travailler de manière efficace. Est-ce qu'il y a des thèmes de la charte qui sortent de l'ordinaire pour une banque? Alors, comme Bernard vient de le dire avant, le fait même d'avoir une charte, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, on sort de l'ordinaire. Formuler des principes de manière aussi concrète, des principes qui vont aussi loin, de manière transparente, c'est une réelle spécificité de Newbie. Et l'existence d'un comité sociétal aussi, pour veiller à ce qu'il soit respecté, c'est tout aussi unique déjà. Mais bon, c'est quand même intéressant de donner des exemples concrets. Quelque chose qui est spécifique à Newbie, c'est par exemple, j'aime bien parler de l'absence de package pour les produits d'assurance et les produits bancaires. En d'autres mots, les produits ne sont pas moins chers s'ils sont achetés conjointement. Donc, votre assurance auto ne sera pas moins chère si vous prenez en parallèle une assurance incendie ou encore une autre, de manière à ce que vous ne preniez que ce dont vous avez besoin. Un autre exemple, et comme on l'a dit d'ailleurs dans la vidéo que vous venez de visionner, Newbie utilise surtout ses propres canaux de communication. Donc, nous ne faisons pas appel à Google, Facebook, Amazon, etc. Ah, donc, nous avons, notre site web, les médias sociaux, etc. Et il ne faut pas perdre de vue que le bouche-à-bouche demeure malgré tout la publicité la plus importante parce que nous pensons véritablement que nous sommes tout à fait différents. Je ne vais pas dire meilleurs, mais en tout cas, cela nous renforce et cela nous aide évidemment à réduire notre empreinte écologique.
troisième exemple, c'est que Newbee s'oblige à appliquer ses valeurs quand elle met en place des relations contractuelles avec des fournisseurs. Donc, si un choix entre deux fournisseurs s'impose, toute chose égale par ailleurs, ben, Newbee optera pour celui avec la meilleure évaluation vis-à-vis de ses valeurs. Et cette évaluation, elle tient compte, par exemple, de la gestion environnementale, du caractère local, du fournisseur en général. Bien sûr, au cas où Newbee se retrouve face à un manque de fournisseurs bien cotés, le fait de recourir à un fournisseur ayant une cote éthique décevante sera motivé de manière exhaustive. Et cette information, le comité sociétal, donc nous, on y a accès et on réalise l'évaluation pour voir si les justifications sont satisfaisantes ou pas. Newbee, c'est également un employeur. Est-ce que la charte en parle ? Oui, tout à fait. Alors, il y a 18 thèmes et 4 parmi ces thèmes portent sur Newbee en tant qu'employeur. Et il s'agit là, par exemple, de l'empreinte écologique interne et de la manière de la limiter. Il s'agit également du bien-être des employés, et évidemment, la politique salariale et la manière d'aller à l'encontre de toute forme de discrimination dans le cadre de sa politique de recrutement. Avant qu'il y ait sur la tension salariale de 1 à 5, parce qu'il y a eu tout un point avant. Oui, en effet, on en a déjà parlé, donc c'est inutile de le refaire. Et alors, nous passons tout de suite à la prochaine question. Qu'en est-il lorsque le comité sociétal se rend compte que l'un de ses principes n'est pas respecté ? Si la charte n'est pas respectée, eh bien, dans ce cas de figure, il faut savoir qu'en règle générale, une fois par an, nous allons rédiger un rapport que l'on va vous soumettre, que l'on va soumettre à l'Assemblée. Et alors, nous donnerons quittance aux administrateurs, la décharge des administrateurs. Et il ne faut pas évidemment attendre chaque Assemblée générale, ce serait trop lent, bien entendu. Mais supposons donc que Newbee devait ne pas respecter un certain nombre de nos principes. Alors, nous pouvons demander des mesures correctrices au conseil d'administration et nous allons le signaler aussi dans le rapport annuel. Nous allons faire un rapport que l'on vous soumettra à nouveau. On en a un petit peu parlé ici, mais à quelle fréquence, du coup, allez-vous rendre compte du respect des valeurs à l'Assemblée générale ? Et est-ce que ça va se faire tous les mois ? Je pense que tu viens d'y répondre, évidemment. Du coup, est-ce que Amandine, tu veux rajouter je pense oui, c'est quand même important de faire un point sur le temps, parce qu'il ne faut pas croire que le comité sociétal sera en mesure de présenter dans 6 mois une analyse complète et fouillée de l'application de Newbee par rapport à la charte. Je pense que l'étape qui suit cette première présentation et ce vote que nous allons vous soumettre, c'est tout d'abord, comme on l'a dit, de l'amender avec vos apports et vos idées et vos remarques. Ensuite, de peaufiner les indicateurs. On ne les a pas publiés parce qu'ils sont pas encore, au point et il faut qu'on vraiment les peaufine. Et puis enfin, il faut aussi qu'on peaufine tout ce qui est l'échange et la relation entre le MCS, donc le comité sociétal, et l'équipe de Newbee. Il faudrait peut-être ajouter que nous ne voulons pas aller plus vite que Newbee même. La première activité bancaire, comme on vient de le dire, sera lancée dans les semaines et dans les mois à venir. Et donc, évidemment, il nous faut regarder ce que sont les nouveaux défis à relever, quels sont les nouveaux éléments dans toute cette problématique relative à la charte. Et je tiens à ajouter que le comité sociétal tel qu'il est composé actuellement n'a été installé qu'en juin, ce qui veut dire que les 2 derniers mois, en fait, à partir du mois de septembre, on a véritablement commencé à travailler. Eh bien, on a dû d'abord prendre connaissance des dossiers, ce qui demande un certain temps, bien entendu. Ce qui ne veut pas dire que nous ne nous sommes pas encore adressés à Newbee, parce que s'il y a des questions, s'il y a des points qui méritent d'être tirés au clair, on le fait. Évidemment, nous aussi, ce qu'on aimerait avoir, c'est votre feedback, votre input. Plus il y en a, mieux c'est. Et donc,
Nous nous adressons au conseil d'administration, aux équipes, et nous allons assumer au mieux notre rôle. Alors, l'heure est aux prochaines questions. Mathias, Thierry, avez-vous des questions du public ? Des questions à nous poser qui seront envoyées par Mathias et Thierry, en effet. Il y a toute une équipe qui s'attelle à ces questions. Il ne faut pas hésiter à les poser. Bonjour, une question de Marguerite. Pourriez-vous rappeler ou préciser dans les grandes lignes comment se réalise la composition du comité sociétal, durée des mandats, organismes représentés sur base de candidatures volontaires, élections? Okay. Il y a juste la durée où il faudra me dire. Mais Trois ans. Ok. Bon, la durée, 3 ans. c'est le comité sociétal d'avant, qui était préexistant, qui a donc fait un appel à candidature pour s'élargir. Parce qu'ils sentaient qu'ils étaient suffisants quand Newbie était une coopérative, mais à partir du moment où Newbie devient une banque avec un nombre de coopérateurs qui devient enivrant. mais il faut aussi faire le taf, quoi. Voilà, on a du travail. Et donc, c'est, comme on est bénévole, bah, avec 4 personnes, ce n'était pas suffisant. Donc, ils ont fait un appel à avoir de la relève. On a vu cet appel, on a vu cette demande. Spontanément, on a répondu. Dans toutes les réponses, ils ont regardé, et, si j'ai bien compris, ils m'ont expliqué qu'ils ont essayé vraiment de regarder, d'avoir une grande diversité. Bien sûr, des personnes qui s'y connaissent en banque, mais pas plus que dans la moyenne de la société, j'ai envie de dire. Et donc, de pouvoir avoir des sensibilités larges, tant géographiques que linguistiques, qu'au niveau homme-femme, que la parité homme-femme, et pour qu'on puisse être les plus créatifs et travailler correctement ensemble. Alors, dans la question, il y avait comment ça a été recruté, est-ce que c'était sur base bénévole, combien de temps? Est-ce qu'il y a une autre question que j'ai? Moi, je tiens à vous dire qu'on est tous des bénévoles, certes, et que donc nous ne sommes pas indemnisés pour quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a une élection? Il serait une verkiezing. Non, il n'y a pas de verkiezing. En juni, en fait, si, parce que l'Assemblée du mois de juin a voté. A sélectionné des personnes qu'il pensait être les meilleures et les a présentées à l'Assemblée générale de juin, qui a validé le choix. Thank you, daarvoor trouwens. We hebben een vraag van. Alors, il y a une question de Miranda. Pas des plus évidentes, cette question. La charte mentionne sous le point 6 que le comité sociétal peut, à tout moment, être sollicité pour avis, et ne vaut-il pas mieux que cet avis soit rendu obligatoire? Que nous, on demande un conseil aux coopérateurs et on demande si cela devrait être obligatoire. Eh bien, c'est une question très intéressante. Je pense qu'on va prendre acte de cette question et en parler à nos collègues, à nos 12 autres collègues de l'équipe, afin de nous prononcer ultérieurement, parce que je ne peux pas pour l'heure vous dire oui ou non, mais c'est une question très intéressante. Et puis, il ne s'agissait pas uniquement des coopérateurs, me semble-t-il, également, il s'agissait de l'équipe opérationnelle de Newbie qui devrait obligatoirement solliciter votre avis, et pas juste s'ils en ressentent le besoin. Eh bien, là encore, on est en train de voir comment peaufiner notre fonctionnement. Il y a notre comité et l'équipe de Newbie Eh bien, nous, pour ainsi dire, nous sommes disposés à collaborer, c'est ce que l'on veut, et on va voir comment les choses vont se mettre en place. Mentionné dans nos prochaines choses à mettre en place, c'est vraiment comment est-ce qu'on travaille ensemble. Et bien sûr, on pourrait tout à fait imaginer que spontanément, on exige un avis, enfin que l'équipe Newbie nous demande notre avis, on pourrait l'envisager. Il y a aussi une question de Marilyn. Bonjour, mes questions sont celles-ci. Apporter des amendements à une charte qui, par essence, est la mémoire de la banque et de ses coopérateurs, cela ne risquerait-il pas de... Alors, ça bouge. Cela ne risquerait-il pas de vider la charte de sa substance?
une porte ouverte à certaines dérives et donc une autre façon de revenir aux pratiques anciennes et toxiques. Merci. Très bonne question, je dirais. Ouais, très bonne question, mais je reste sceptique parce que le but est évidemment d'améliorer la charte et d'aller plus loin dans les valeurs à chaque fois et non pas de retrancher des valeurs. Donc, en tout cas, moi, ça me semble tellement une évidence. Et ça me permet de parler aussi de l'impression que j'ai et que j'ai reçue en rentrant dans cette équipe de Newbie, même en tant que bénévole et en tant que membre du MCS. À aucun moment, j'ai eu l'impression que le comité sociétal était, avait un rôle de contrôle ou était mal perçu par l'équipe. Bien au contraire, en fait, moi, je me suis retrouvée, enfin, c'est un avis personnel, mais je me suis retrouvée face à une équipe qui avait envie d'aller encore plus loin que nous, qui était très pointilleux, qui voulait ne passer à côté d'aucun détail, qui disait non, mais ça, c'est, même si c'est un détail, il faut absolument ne pas lâcher, parce que si on lâche sur une première chose, on lâchera sur une deuxième, et il n'est pas question de ça, parce qu'il en va de notre identité, de notre crédibilité, de notre valeur. Et donc, je me rends compte que notre rôle, c'est en fait de les aider à être fidèles à ce qu'ils veulent être. C'est pas de les forcer à être quelque chose qu'ils n'ont pas envie d'être. Et ça change tout à fait notre travail, évidemment, et ça m'enchante d'ailleurs, parce que je préfère faire ce travail-là, d'aider un groupe à être ce qu'ils veulent être, à la place de devoir les forcer à être ce qu'ils ne veulent pas. Mais ça change, ça répond d'une certaine manière en dérivé à la question qu'on a eue, parce que amender la charte, ça va être la pousser plus loin, l'amener plus loin, et non pas la vider de son sens. Et si je peux me permettre de rajouter, Amandine, donc évidemment, il y a tout un processus de co-création et qui va se mettre en place aussi dans les prochains mois, et évidemment en collaboration avec vous. Il y aura, et c'est déjà en cours pour le moment, une étape qui nous semble essentielle aussi autour de cette charte, c'est bien entendu d'informer correctement nos coopérateurs et coopératrices du Collège B, donc les citoyens et citoyennes, mais également les organisations membres qui composent le Collège des A. Et donc il y a toute cette phase d'information qui est en cours pour le moment sur la charte elle-même avant de pouvoir vraiment avoir un chantier, je dirais, de co-création pour prendre le meilleur de chez chacun, chacune, et essentiellement aussi du côté des organisations membres qui évidemment travaillent depuis de nombreuses années sur pas mal d'expertise qui se retrouvent dans cette charte avec ces nombreux thèmes. Donc voilà, tout un travail qui sera évidemment encadré et ce, en collaboration avec vous. Et donc, nous sommes à la dernière deux questions. Ce qui nous amène aux dernières questions. Question très courte. Il y a très peu de questions en néerlandais d'ailleurs, mais pourquoi le comité sociétal plutôt n'est-il pas rémunéré? Eh bien, je pense que c'était un choix délibéré. Ce n'était de toute façon pas le but lorsqu'on s'est présenté. Lorsqu'on a envoyé les lettres de motivation, ce n'était pas prévu. L'idée, à mon sens, est de réellement rester indépendant. Et l'indépendance découle également de ce bénévolat. Je pense qu'effectivement, donc, à l'époque, on nous proposait une espèce de jeton de présence pour les réunions. Et puis, le précédent comité sociétal a décidé de ne pas retenir cette piste. Et en tant que nouveau comité, nous pouvons parfaitement défendre ce choix. Cela étant dit, ça peut changer, qui sait. Alors, la toute dernière question. Pensez-vous réalisable de faire fonctionner Newbie comme proposé dans le projet de la charte sociale et environnementale? Et s'il y a besoin d'un complément, Thierry pourra intervenir aussi. Oui. Sinon, on ne serait pas là. Oui, c'est ça. Moi, j'y crois vraiment. Je pense qu'effectivement, on est là pour... on pourra être utile et on va vraiment baliser avec toute notre ambition et tout notre idéalisme, mais on va aussi être réaliste sur certains choix où il faut quand même que la banque vive, mais je pense que c'est possible de trouver un juste milieu qui est constructif, sinon je ne serais pas là. Enoch,
zoals we ook in de video zeiden. Et comme on l'a dit dans la vidéo, c'est un travail de longue haleine. Fatalement, c'est un début pour nous d'une nouvelle aventure. Est-ce qu'on croit que c'est possible? Bien sûr que oui. Est-ce que tout va être acquis et bien ficelé demain? En partie, bien sûr, mais il restera beaucoup de pain sur la planche. Charte qui a été écrit en collaboration avec les membres de l'équipe, d'une part, et d'autre part, qui a déjà fait un premier, je dirais, tour de validation en l'état par le comité de direction, d'une part, mais également par le conseil d'administration, avant de revenir éventuellement au comité sociétal s'il y avait eu des amendements. Donc, il y a vraiment eu tout un processus qui a été mené de main de maître, d'ailleurs, par une de nos collègues, pour faire en sorte que tous les acteurs en présence soient consultés et puissent participer vraiment à l'élaboration de cette charte. Donc évidemment, l'objectif de celle-ci, c'est de bien s'approcher au mieux de la réalité de la banque coopérative qu'on est en train de mettre en place. Mm-hmm. Je pense que Thierry voulait, ou Bernard voulait revenir là. Thierry. Non. Oui, alors. Il n'y a rien à ajouter, tellement c'était complet. Voilà. Il me reste à vous remercier, Belbedinkt, pour. Merci de ces informations. Je n'ai rien à ajouter. Tout simplement, chers amis, parce que c'est une assemblée générale extraordinaire aujourd'hui, le comité sociétal remet son rapport évidemment avec l'AG ordinaire qui a lieu au mois de juin. Ça méritait d'être précisé. Et par ailleurs, par rapport à la question, est-ce qu'un jour le comité sociétal ne va pas dériver et vider cette charte de ses principes? Je vous rappelle que le comité sociétal a juste à la proposer. C'est nous, vous, qui êtes là derrière votre écran, qui décidez de voter ou pas la charte, ses modifications, et notamment, il y a une obligation d'avoir, je vous le rappelle, des majorités dans les trois collèges, donc y compris dans le collège A, avec 150 organisations sociales qui ont été sélectionnées pour leur expertise sur le plan sociétal. Je vous garantis que si un jour il y avait des propositions qui ne seraient pas acceptables, je ne pense pas que les membres de ce collège-là les accepteront. Donc c'est tout un processus, comme Judith l'a dit, où l'ensemble des parties prenantes de notre coopérative, chacun avec son rôle, sa casquette, travaille à finalement concrétiser ces fameuses valeurs que nous voulons porter. Un grand merci en tout cas pour votre présence. Et nous allons maintenant passer au vote, je pense, pour ces décisions relatives à la charte. Petite précision, parce que moi-même, j'ai été un petit peu surpris. Lorsque vous êtes sur votre bulletin de vote, vous avez donc pour chaque question la possibilité oui, non, abstention. Et puis vous voyez effectivement une couleur et c'est marqué « envoyer ». Vous n'avez plus rien à faire après, il n'y a pas une espèce de touche finale. « Envoyer », ça n'existe pas, c'est parfait, votre vote est arrivé à destination. Et donc, monsieur Lenu, stemmen? Nous procéderons à présent au vote. Oui, effectivement, je tiens à remercier cordialement l'ensemble des membres du comité sociétal. Et effectivement, maintenant, vous pourrez voter sur la charte, si jamais donc vous ne l'avez pas encore fait. Deux résolutions sont soumises au vote et vous pourrez dès lors également les lire à l'écran. D'une part, approuve la charte sociale et environnementale présentée par le comité sociétal. Et puis deuxième résolution, elle est un peu plus longue, je vous la lis. L'Assemblée générale donne mandat au comité sociétal pour évaluer annuellement les dispositions de la charte et soumettre sur cette base des amendements de la charte à l'Assemblée générale, compte tenu entre autres de petit a, l'évolution des activités de Newbie, petit b, l'évolution des enjeux sociétaux, petit c, les avis spontanés des coopérateurs, coopératrices et autres parties prenantes, n'hésitez pas, n'est-ce pas? D, les résultats des processus de participation menés avec les coopérateurs et coopératrices des trois collèges. Et enfin, petit e, les consultations qui seront menées par le comité sociétal en collaboration avec l'équipe de Newbie pour récolter les avis et expertises sur le terrain. Voilà, encore un petit vote à faire. Et on continue avec un point extrêmement important aussi, un peu plus technique, mais vous allez voir que derrière la technicité se cache un enjeu essentiel pour notre coopérative. Où allons-nous mettre nos sous?
Le point 11 de l'agenda concerne en effet les catégories dans lesquelles notre coopérative peut posséder des investissements. J'attire votre attention sur le fait que, contrairement à tous les votes qui ont déjà eu lieu, ici, c'est une majorité spéciale de 4/5, de 80%, qui doit être recueillie pour les deux votes auxquels on va procéder, et cela dans chacun des trois collèges. Si on n'a pas 80% dans un des trois collèges, ou dans plusieurs d'entre eux, le vote ne sera pas acquis. De quoi s'agit-il ? Je vais essayer d'être clair, précis et le plus pédagogique possible. Les statuts actuels de Newbie disent précisément les catégories de valeurs, c'est-à-dire de titres financiers, dans lesquels la coopérative peut investir. Et donc ça veut dire que ce qui n'est pas mentionné, on ne peut pas investir aujourd'hui. Cet article 3 précise également que si Newbie souhaite investir dans d'autres catégories que celles qui sont reprises dans les statuts, elle peut le faire si, et seulement si, nous décidons en Assemblée générale préalablement et à 80% de majorité, comme je viens de l'indiquer, si nous indiquons que nous sommes d'accord avec cette proposition. Et c'est donc dans ce cadre-là que deux résolutions sont aujourd'hui soumises à notre suffrage. Ces résolutions visent à permettre à notre coopérative d'investir donc dans un univers d'investissement un peu plus large que celui qui est prévu actuellement dans les statuts. Ainsi, nous aurons un plus large choix d'investissement et ça nous permettra notamment d'avoir une meilleure diversification et donc de mitiger notre risque d'investissement. Alors, la situation très précisément aujourd'hui, les statuts prévoient, donc là, il n'y a rien à décider, c'est ce que prévoient les statuts aujourd'hui. Les statuts autorisent Newbie à posséder deux types de valeurs. Un, des participations dans des établissements de crédit, disent les statuts, c'est-à-dire dans des banques, parlons simplement, ou des sociétés d'assurance, pour autant que deux conditions soient réunies. Un, il faut que chaque participation ne représente pas plus de 5% des fonds propres de la société dans laquelle la participation est détenue. En d'autres termes, ça empêche Newbie d'être une holding, d'être le propriétaire d'une autre société. Deux, il faut que l'ensemble des participations détenues par Newbie dans ces banques, dans ces sociétés d'assurance, ne dépassent pas le quart du capital et des réserves de Newbie, parce que ce n'est pas le but de Newbie de faire cela. Ça, c'est le premier type de participation dans lequel on peut mettre les actifs de Newbie. Deux, on peut également acheter des valeurs, donc des titres, émis par les pouvoirs publics belges et luxembourgeois, que ce soit l'autorité fédérale ou que ce soit les autorités régionales, communautaires, etc. Et on peut également investir dans les institutions, dans les valeurs émises par les institutions publiques de l'Union européenne, c'est-à-dire essentiellement la Commission européenne et la Banque centrale européenne. Ça, c'est la situation aujourd'hui, telle qu'elle est prévue par les statuts. Et que proposons-nous de voter en outre, c'est de pouvoir en outre investir dans deux autres catégories de valeurs. Première proposition, les valeurs émises par les pouvoirs publics des autres États membres de l'Union européenne, pas seulement la Belgique et le Luxembourg, mais aussi les autres États membres, ce qui permettrait d'étendre ce que les statuts prévoient actuellement pour les deux seuls, Belgique et Luxembourg, à l'ensemble des autres États membres. Les valeurs, deuxième proposition, possibilité d'investir dans les valeurs qui sont garanties par les pouvoirs publics des États membres de l'Union européenne ou par les institutions publiques de l'Union européenne. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de valeurs dont ces entités publiques garantissent le remboursement à l'échéance. C'est des valeurs qui sont émises, par exemple, par d'autres entités, des régions ou des entreprises, mais qui sont garanties par les pouvoirs publics. Voilà ce qui est proposé à notre vote. Mais je rappelle, avant qu'on réfléchisse plus avant et qu'on vote, un élément évidemment essentiel. C'est que ce n'est pas parce qu'on dit qu'on peut le faire que, pouf, on fait n'importe quoi, bien entendu. Il faut également que ces deux catégories soient en outre conformes à nos valeurs, à la charte sociale et environnementale que nous allons adopter, et en particulier aux règles d'investissement socialement responsable évoquées dans la charte. Et ici,
Je dois préciser une chose, c'est qu'on est dans une situation de timing un peu particulière, c'est que les règles d'investissement socialement responsable font actuellement l'objet d'un chantier qui est en cours de co-création avec l'ensemble des organisations membres de Newbie, garante donc des valeurs de la coopérative. Une première mouture des règles a été soumise à la consultation des membres. Elle était basée notamment sur les résultats de cette enquête que nous avions faite il y a quelque temps, qui s'appelait « La voie de votre épargne » et à laquelle beaucoup d'entre vous ont répondu. Cela dit, donc aujourd'hui, ces règles d'investissement vont être précisées au fur et à mesure dans la charte sociale et environnementale, mais il est évident que dès aujourd'hui, le comité de direction sera particulièrement attentif à ce que chacun des investissements décidés soit conforme à nos valeurs. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que ce comité a décidé de ne pas investir dans les États européens ou dans des titres garantis par des États européens qui ne respecteraient pas l'état de droit, qui ne s'engagerait pas à respecter l'état de droit. Vous savez que c'est un débat qui a lieu pour l'instant au niveau de l'Union européenne. Il y a 2-3 États qui refusent de s'engager à respecter l'état de droit tel que nous le concevons dans l'Union européenne. Eh bien, notre banque, en toute hypothèse, ne financera jamais ces États-là tant qu'ils restent dans ce positionnement. C'est un petit peu comme pour la charte sociale et environnementale, cette matière va encore vivre. Et donc, il est possible que dans quelques mois, dans quelques années, on remette en Assemblée générale en débat d'autres types d'investissements. Nous verrons bien, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, ce sont ces deux types d'investissements qu'on propose d'autoriser au sein de notre coopérative. Thank you, Bernard. Merci, Bernard. Pourquoi une banque comme Newbie doit-elle investir en fait? À l'automne 2019, il y a bientôt un an, Newbie a récolté un capital de 35 millions. Bientôt, la liquidité des dépôts sur les comptes à vue et les comptes d'épargne s'ajouteront à cette somme. Newbie veut retourner à la base de la banque en attirant des dépôts pour les retourner à l'économie réelle sous forme de crédit locaux octroyés aux entreprises et aux particuliers. Ceci dit, Newbie ne peut pas transposer tous ses moyens en crédit. Si, sur un laps de temps réduit, beaucoup de temps est requis, Newbie doit être capable de prévoir cette somme. Si tout est prévu pour les crédits, ces sommes seraient bloquées dans des schéma de remboursement sur une période prolongée, ce qui fait que Newbie ne serait plus capable de prévoir suffisamment de liquidités et de rendre possible effectivement suffisamment de prélèvements, ce qui signifierait la fin. En outre, la récolte de dépôts et l'octroi de crédits ne suivent pas la même vitesse. Il faut donner suffisamment de temps à la banque pour adapter le crédit aux besoins du demandeur de crédit. Dans l'intermédiaire, Newbie doit avoir la possibilité de gérer le surplus de liquidité, et c'est la raison pour laquelle une partie des moyens sera investie en titres qui constitueront en fait le portefeuille financier, qui est plus liquide que le portefeuille des crédits. Newbie, dans ses investissements, doit tenir compte de plusieurs aspects. De un, les investissements doivent être en correspondance avec les statuts ainsi que les résolutions votées par l'Assemblée générale. De deux, les investissements doivent être en conformité avec la charte sociale et environnementale que vous avez votée, ainsi que les règles de responsabilité sociale de l'entreprise décrites également dans la charte. Enfin, les investissements doivent comporter un niveau de risque acceptable, ce qui signifie qu'il faudra tenir compte du risque de liquidité. Bref, c'est la rapidité à laquelle un effet peut être, ou plutôt un titre peut être revendu, avec bien sûr donc un risque de non-remboursement et un risque de taux, où en fait la valorisation diffère selon les fluctuations des taux de rente.
et de l'intérêt plutôt. Mais vous avez davantage d'explications là-dessus au niveau de la charte. Effectivement, Sigrid. Le projet de charte, et en particulier le thème 11, sur les investissements socialement responsables. Alors je me tourne vers la table des questions. On va essayer d'en prendre une ou deux très vite parce qu'on est déjà fort en retard. Alors, une petite question de Mélanie. Bonjour. Peut-on rappeler pourquoi le Luxembourg fait partie des statuts et pas uniquement en Belgique ? Pourquoi le Luxembourg ? Fait partie de ce qui est marqué dans les statuts. Alors, et pas uniquement la Belgique. Absolument. Pourquoi ? Parce que à l'origine, Newbie a été constitué par 24 organisations, pas toutes belges. Il y en avait 23 belges et une luxembourgeoise, qui sont nos collègues de Ethica Luxembourg, que je salue pour cette occasion. Et donc, nous étions en réalité, on parle beaucoup d'une banque belge, en réalité, nous étions un projet de banque belgo-luxembourgeois, même si, pour des raisons évidentes, tout à fait pratiques et pragmatiques, nos activités vont ne se dérouler que sur le territoire de la Belgique. Mais voilà pourquoi nous avions inclus le Luxembourg dès le début. C'est intéressant. Pas d'autres questions en néerlandais. Alors, je vais en prendre une en français de Joachim. Motivation d'investir ailleurs qu'en Belgique. Motivation sociale, politique, financière, économique, politique, point d'interrogation. Et quelle est la prise de risque d'investir de l'argent à l'étranger alors qu'on lit partout dans la charte que la prise de risque est limitée ? Alors, précisément, la question est excellente. Et précisément, le but, c'est de réduire le risque. C'est-à-dire que lorsque vous avez un portefeuille de financement comme Newbie va en avoir un très rapidement, il est important de faire ce qu'on appelle une diversification du risque, c'est-à-dire de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, pour dire les choses un peu simplement, mais au contraire d'avoir beaucoup de financements différents, tout simplement pour une raison évidente, c'est que lorsque vous avez une entreprise ou une situation où les choses vont un peu moins bien, fatalement, si vous avez mis beaucoup de financement dans cette entité-là, vous allez avoir de gros problèmes. Si vous avez bien réparti votre risque, vous serez évidemment impacté, mais beaucoup moins. Donc c'est important d'avoir une grande diversification, ça c'est le premier point. Bien entendu, on va privilégier le local et notamment le financement des entités publiques belge, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais donc on aime à pouvoir avoir un horizon un peu plus large, et c'est la raison pour laquelle on propose cette résolution. Il y a aussi un deuxième aspect, c'est un peu plus technique et je vais essayer d'être très précis dans ma réponse, mais il y a également une question de gestion du temps, c'est-à-dire que lorsque une banque reçoit de l'argent, c'est essentiellement sur des comptes d'épargne, des comptes courants. C'est des dépôts qui peuvent être retirés à tout instant, bien entendu. Donc, c'est de l'argent qui doit être très liquide, on doit pouvoir chaque fois répondre rapidement. De l'autre côté, il faut que l'utilisation qu'on fait de cet argent-là fasse qu'on ait cette disponibilité, cette liquidité. Alors, bien sûr, il y a des engagements qui vont se prendre sur plusieurs mois, plusieurs années, mais il faut veiller à ce qu'il y ait une bonne balance, un bon équilibre entre toutes ces maturités, entre toutes ces durées de financement. Et donc, là aussi, si on a des possibilités en Belgique que d'avoir des investissements à 15 ans, certainement au début, ça ne va pas faire notre affaire. Et donc, on a intérêt à avoir le choix le plus large possible pour pouvoir justement être prudent et le plus sûr. Alors Bernard, peut-être une dernière question, parce qu'elle nous revient souvent. Elle fait référence à la campagne de publicité qu'on a faite pendant la campagne autour du fait qu'on n'allait pas investir dans l'armement. La question, donc on va investir dans la région Wallonne et la FNSTEL, dit ce monsieur, ce Bruno. Or, vous ne vouliez pas investir dans les armes. Pouvez-vous nous expliquer ce cas précis et comment vous ferez pour les autres cas similaires ? Alors, il est clair que Newbie ne va pas investir ou financer la FN de Herstal. Pas plus que n'importe quelle autre entreprise qui fabrique des armements. On peut le regretter, on peut discuter, c'est des débats sempiternels, mais en tout cas, dans nos valeurs, il est précisé qu'on ne le fera pas. Mais pour autant, la FN d'Herstal n'est jamais qu'une entreprise qui est située en Wallonie. Ce n'est pas pour ça que nous ne pourrions pas financer la région Wallonne. J'attire l'attention d'ailleurs sur le fait que la région Wallonne s'est engagée depuis 2 ans maintenant dans un processus d'investissement socialement responsable, c'est-à-dire qu'elle se fait noter, elle se fait évaluer par une agence de notation extérieure pour l'ensemble de ses activités.
Donc, vous savez qu'une région, que ce soit la Wallonne, la Flamande, la Bruxelloise, a une série de compétences dans plein de domaines. Et quand on met en œuvre ces compétences-là, on peut le faire de plein de manières différentes, et notamment en étant attentif à l'impact social et environnemental des activités. Je ne dis pas que la Wallonie fait tout bien, mais en tout cas, elle s'est lancée depuis 2 ans dans un processus de certification avec quelqu'un externe qui lui dit « Attention, ça c'est bien, mais par contre là, il faut vraiment s'améliorer. » Et donc, du coup, c'est un élément, bien entendu, parmi d'autres, qui sera pris en compte par le comité de direction de Newby pour décider si oui ou non on devait éventuellement financer la région wallonne, mais on pourra parler aussi, bien sûr, de la région flamande, de la région bruxelloise, des communautés, etc. Voilà. Merci pour vos questions. Et je répète, il y en a encore plein qu'on n'aura pas l'occasion de répondre ici en direct. Mais rassurez-vous, vous aurez votre réponse sur le website de Newby dans les prochains jours. Du coup, on continue et on va bientôt s'amuser. Restez bien à l'écoute. Puisque après avoir voté sur le portefeuille financier, on va vous faire des surprises. Mais d'abord, le vote sur le portefeuille financier, les deux résolutions dont je vous parlais, je rappelle qu'il faut 80% de vote positif pour chacune des résolutions dans chacun des collèges. Je rappelle aussi que c'est les deux derniers votes de l'Assemblée générale. Et donc, lorsque j'aurai lu la deuxième résolution, eh bien, nous allons déclencher le chrono. Il vous restera 5 minutes montre en main. Et puis, à la régie, dans 5 minutes pile, ils arrêteront le décompte en matière telle qu'on pourra, d'ici 10 minutes, un quart d'heure, vous donner les résultats. Mais donc, d'abord, avant d'enclencher le compteur, Sigrid de Eerste Resolutie. La première résolution. Alors, conformément à l'article 3, paragraphe 10.3 des statuts, l'Assemblée générale autorise Newby à posséder, dans le respect des dispositions de la Charte sociale et environnementale, outre les valeurs émises par les pouvoirs publics belges et luxembourgeois déjà autorisés par les statuts, toutes les valeurs émises par les pouvoirs publics des autres États de l'Union européenne. Le point 2. Conformément à l'article 3, paragraphe 10.3 des statuts, l'Assemblée générale autorise Newby à posséder, dans le respect des dispositions de la Charte sociale et environnementale, toutes les valeurs garanties par les pouvoirs publics des États de l'Union européenne ou par les institutions publiques de l'Union européenne. Et comme Bernard l'a dit, il s'agit là du dernier vote. Nous allons bientôt clôturer le vote. Il nous reste combien de minutes à peu près? 5 minutes, un peu moins. Donc on peut aller jusqu'à 16h02 pour le vote. Vous pouvez encore modifier votre vote. Après 16h02, ce n'est plus possible. Les résultats seront transmis avant la fin de la réunion. Si vous n'avez pas encore voté, c'est le moment ou jamais. Et je rappelle qu'il suffit de voter pour chaque résolution, il n'y a pas d'approbation globale après, ça suffit, ça marche. Voilà, pendant qu'on termine de voter, on va passer un moment particulièrement réjouissant de cette Assemblée générale, chers amis, chers coopérateurs. En effet, c'est avec une émotion certaine que nous souhaitons maintenant partager ensemble un moment, un petit flashback. Je l'évoquais en commençant cette Assemblée générale, il y a 7 ans, 2013, nous étions à 1200 personnes ici dans une salle à côté de l'endroit où nous sommes aujourd'hui, rassemblées donc sur le plateau du Heysel pour une assemblée générale qui allait marquer la vie de notre coopérative. Assemblée générale importante parce qu'on était 1200, parce qu'on était dans un endroit symbolique, mais surtout parce qu'on a voté, à ce moment-là la décision, on a pris la décision de créer une banque coopérative en Belgique. Alors on est vraiment désolé parce qu'on aurait bien aimé se retrouver tous ensemble sur le même plateau du Heysel pour célébrer la création de notre banque. On ne sait pas le faire aujourd'hui pour les raisons sanitaires que vous savez. Mais allez, heureusement, il y a le flashback qui va nous permettre de revivre quelques instants particulièrement émotionnants de l'époque. Vidéo s'il vous plaît.
Ik heb hier een enorm vertrouwen gezien en gehoord van. Nos coopérateurs étaient très confiants, c'est ce que j'ai vu. Après le soutien public, maintenant il y a énormément d'enthousiasme qui gravite autour de ce projet, ce qui va véritablement mettre face à une grande responsabilité que l'on va tous assumer. Et si nous parvenons tous ensemble à assumer cette responsabilité pour être... Beau projet. Salut Marc, tu nous entends sûrement derrière ton ordinateur. Après toutes ces années d'intense mobilisation, de travail, d'acharnement, nous sommes heureux enfin de pouvoir confirmer que depuis quelques jours maintenant, les premiers comptes de notre banque coopérative Newbee sont enfin ouverts. Alors voilà, nous avons maintenant à ouvrir le ruban avec la grosse caisse, le cadeau que nous nous sommes faits tous ensemble. Et pour ce faire, nous allons découvrir ensemble les produits bancaires, mais aussi l'interface bancaire que nous allons sûrement avoir l'occasion d'employer régulièrement dans les prochaines semaines. Et pour cela, près de moi se trouvent Franz, Karen et Adrien. Je vous cède la parole, déballez-nous tout ça. Bonjour à toutes et à tous. Donc vous l'avez compris, pour notre équipe, 2020 était vraiment une année charnière pour concrétiser la naissance de cette banque. Malheureusement, il n'existe pas de guide de montage pour ce type de création, de construction, bien que depuis 2019, la plupart des éléments constitutifs étaient déjà définis, connus. L'année 2020, il nous a fallu les assembler, les uns après les autres. Donc cette année était fort chargée, faite de contractualisation avec tous nos nouveaux partenaires, opérationnel, technique, et puis de décision, de réunion, excusez-moi, de réunion technique. De réunion technique pointue et de décision difficile pour notre petite équipe. Mais la motivation était grande parce que nous vous savions très nombreux, 116 000 à nous attendre. Le compte à vue. Alors, depuis évidemment, nous avons travaillé à ça, dans une réalité, et les premiers comptes sont déjà ouverts depuis le 10 novembre. Et nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir vous dire que notre banque est devenue réalité. En toute logique, donc le premier-né de cette série de produits, c'est le compte à vue. Alors, le voilà, c'est le BIC, il porte ce code BIC que vous voyez apparaître. Le compte à vue vous permettra de réaliser toutes les opérations du quotidien. Les virements, les opérations bancaires, les domiciliations et les ordres permanentes. Grâce à ce compte, vous aurez enfin l'assurance que votre argent ne sera pas investi dans des activités ou des secteurs néfastes pour notre société. Il est possible d'ouvrir des comptes individuels, des comptes joints, et des comptes pour les personnes mineures. Nous vous l'expliquions dans notre dernière enquête. La gestion de toutes ces opérations et le niveau de sécurité que celles-ci impliquent représentent un certain coût pour notre coopérative. Et pour la tarification, nous vous avions donc proposé d'envisager une solution tout à fait innovante, le prix conscient. En effet, Karen, le prix conscient est une solution qui permet à chacune et chacun de payer le prix qu'il ou elle souhaite. Parmi les quelques 15 000 répondantes et répondants de l'enquête, plus de 71% étaient favorables de tester cette formule. Alors concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous ouvrirez votre compte, vous pourrez décider du montant mensuel à payer pour son utilisation. Par exemple, vous pourrez opter de payer pour le prix recommandé, pardon, qui est de 2 euros par mois par personne pour l'utilisation de vos comptes, quel que soit le nombre de comptes ouverts. Mais vous pouvez aussi choisir de payer un petit peu plus si vous en avez les moyens ou de payer un petit peu moins si vous êtes dans une situation financière un peu plus précaire. Alors, une majorité des personnes ayant répondu à l'enquête avaient également opté pour un prix minimum. Nous avons décidé de ne pas suivre cela dans un premier temps. En effet, afin de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à nos services et par souci de simplicité, nous avons voulu donner un an pour tester le prix conscient sans prix minimum. Au terme de cette période, nous évaluerons si le système est viable pour notre banque coopérative. Mais revenons au concret. Comment devenir client ou cliente de Newbee? Alors c'est très simple, ça prend seulement 10 minutes.
Vous devez d'abord commencer par choisir une méthode pour vous identifier. Alors, il y a trois méthodes différentes. Vous pouvez utiliser ItMe, qui est une application sur smartphone, votre carte d'identité électronique à insérer dans un lecteur de carte d'identité, ou alors nous envoyer vos documents, une copie de vos documents d'identité par mail ou par la poste. Ensuite, nous vous poserons quelques questions pour mieux vous connaître, pour mieux vous identifier, et ensuite encore quelques questions là d'ordre réglementaire. Après avoir fait ces quelques démarches, vous aurez donc accès à votre banque en ligne, à votre espace bancaire en ligne. De là, vous pourrez effectuer des paiements depuis votre compte à vue, gérer votre compte épargne, effectuer toutes sortes d'opérations de paiement et avoir accès à vos produits d'assurance. Alors, pour accompagner le compte à vue, nous avons voulu vous proposer une carte de paiement pratique, complète et innovante. Celle-ci représentera une première en Belgique, puisqu'elle embarquera à la fois Bancontact et le système de paiement Visa Debit. Grâce à cette carte, vous pourrez effectuer tous vos paiements en Belgique, à l'étranger, mais aussi sur Internet. Il faudra par contre encore un peu de patience pour pouvoir bénéficier de cette carte. En effet, pour des raisons techniques, il était impossible de pouvoir lancer la carte en même temps que les premiers comptes à vue et compte épargne. Cette carte, vous pourrez donc en disposer à partir de l'année prochaine, en juin 2021. Alors un autre produit, le compte épargne. Et pour accompagner notre compte à vue, donc voilà, nous vous proposons également un compte épargne. Il vous permettra donc de gérer vos économies et d'organiser votre budget. Celui-ci n'engendre aucun frais supplémentaire pour les clients. Il s'agit d'un compte épargne non réglementé et sans taux d'intérêt. Une précision très importante, l'argent que vous placerez chez Newbee bénéficiera de la garantie bancaire de 100 000 euros. C'est une garantie qui couvre votre argent en cas de faillite de la banque, et ce, par personne et par banque. Pour vous connecter à la banque en ligne, vous pourrez choisir entre trois méthodes. Les deux premières avec smartphone, smartphone Android ou smartphone iOS, et la troisième méthode, pour ceux qui n'ont pas de smartphone, avec votre PC et cette petite boîte, le Digipass. Alors pour rappel, un Digipass, c'est un petit boîtier muni d'une caméra qui permet de générer des codes de sécurité nécessaires pour se connecter à la banque en ligne. Et cet appareil n'est pas connecté à Internet. Une des manières de se procurer sera de se rendre dans un des 308 magasins du monde Oxfam de Belgique. Et nous profitons à cette occasion pour remercier vivement Oxfam, Magasin du Monde et Oxfam Werelwinkels pour cette collaboration que nous mettons en place avec eux. Ce partenariat participe à faire de l'économie sociale un réseau de taille, et nous espérons voir grandir encore avec les années à venir, et pour lesquelles Newbee entend jouer un rôle très important, donc merci à eux. Le lancement de la banque sera progressif, nous vous l'avions dit. Le lancement, donc, du coup, se fait aujourd'hui avec les premiers collègues de Newbee et dans un second temps, pour le moment, avec les coopérateurs et coopératrices de Newbee actuels pour participer à la phase de lancement. Une fois notre système éprouvé, nous devrions pouvoir ouvrir la banque auprès du grand public en janvier 2021. Mais il ne s'agira encore que des premiers débuts, car nous pensons bien évidemment à la suite. Avec d'autres produits, il sera bien entendu possible d'avoir des crédits verts. Franz, veux-tu nous expliquer un petit peu ? Merci, Karine. Oui, Newbee n'offrira pas que des comptes et des cartes, mais bientôt aussi des crédits verts. Ces crédits verts s'inscrivent dans nos intentions de ramener la banque à l'essentiel. Newbee veut offrir la possibilité à tout un chacun de lancer des projets qui vont favoriser la transition écologique. Il peut s'agir par exemple du financement de vos achats. Je pense à une voiture écologique ou un vélo électrique. Où il peut s'agir également du financement de l'isolation de votre maison ou d'un investissement en énergie renouvelable lorsque vous achetez par exemple des panneaux solaires. Et donc pour tous ces projets, nous prévoyons un montant maximum de 100 000 euros avec un délai de remboursement de 84 mois tout au plus. Les crédits verts sont très importants pour Newbee. Tout comme les assurances, ils jouent un rôle crucial dans le plan financier de notre coopération.
dans notre coopérative. Et donc, à partir du moment où tout le monde peut ouvrir un compte, nous nous attendons à un montant, à la réception d'un montant substantiel sur les comptes. Cet argent doit évidemment retourner dans l'économie réelle au travers des crédits que nous allons octroyer. C'est là l'essence du métier de banquier. Et avec les taux d'intérêt très bas d'aujourd'hui, c'est encore plus important que jamais. Newbie et son ambition peut être soutenue de différentes manières, en contractant un prêt ou en souscrivant à une assurance. Ensuite, Newbie va également donner la possibilité à ses clients d'investir dans des fonds d'investissement, de faire des placements, donc pas tout de suite, mais plutôt dans le courant de l'année prochaine. Les fonds d'investissement vont regrouper les moyens financiers des différents investisseurs et vont les placer dans différents produits de placement. Je pense notamment aux obligations et les actions. Nos fonds seront constitués par un gestionnaire externe. Dans notre recherche de produits d'investissement à forte valeur éthique, nous avons déjà mené des discussions et des entrevues avec différents partenaires potentiels. Les différents fonds devront répondre aux règles que Newbie s'impose en matière d'investissement sociétal responsable. Lors de la sélection des gestionnaires des fonds, nous allons évidemment consulter différentes organisations membres des collèges A. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas pour tout de suite, c'est pour l'année prochaine. Alors, de quoi auront l'air les semaines à venir? Il y a quelque temps, nous avons demandé si vous étiez disposé à faire partie des pionniers pour ouvrir un compte bancaire. Et la réponse était des plus enthousiasmantes. Plus de presque 6000 coopérateurs se sont montrés disposés à le faire. J'y reviendrai d'ailleurs. Alors, pour l'heure, la banque est opérationnelle. Les premiers comptes ont été ouverts. Et il s'agit d'un groupe assez restreint qui nous aide à identifier les éventuels derniers problèmes qui subsistent. Mais il ne s'agit plus d'une phase de test. Non, Newbie a véritablement été lancé en tant que banque. Et dans quelques semaines, nous allons inviter un premier groupe de coopérateurs parmi les 6000 pionniers pour ouvrir un compte. Et une semaine après, suivra un deuxième groupe. Une semaine après, encore un groupe. Et ainsi, nous espérons chaque semaine parvenir à intégrer un groupe supplémentaire de coopérateurs. Vanaf het voorjaar 2021 zal iedereen dan klant de kans krijgen om dit te doen. Ook de mensen die geen coöperant zijn. Newbie vraagt wel dat wie een rekening opent ook coöperant wordt. Dit houdt dus in dat vanaf het voorjaar 2021 opnieuw kan ingeschreven worden in de deelbewijzen van Newbie. Jullie kunnen vrienden en kennissen dit goede nieuws alvast meegeven. En wij kunnen het niet genoeg herhalen. Onze verzekeringen blijven een belangrijk onderdeel van onze coöperatie. Wij danken jullie voor jullie vele suggesties en verwachtingen met betrekking tot ons verzekeringsaanbod. We hebben aandachtig geluisterd en we doen ons uiterste best om het aanbod binnen onze mogelijkheden verder aan te vullen en te verbeteren. Zo onderzoeken we niet alleen of we een verzekering kunnen aanbieden voor huisgenoten of mede-eigenaars, maar ook voor alternatieve woonvormen. Via enquêtes zullen wij jullie blijven bevragen over jullie wensen met betrekking tot verzekeringen, zoals we dit hebben gedaan voor de banktarieven. Wij nodigen jullie graag uit om ook het huidige aanbod door te nemen. Het werk is nooit afgelopen. Onze bank is dan wel gelanceerd, maar ze is niet perfect. Samen met jullie willen wij het harde werk verder zetten om ervoor te zorgen dat Newbie nog beter aansluit bij jullie verwachtingen en onze waarden. Donc on va passer maintenant aux questions-réponses sur cette partie-là. Merci beaucoup. Alors, peut-être une première question pour Frans. Er zijn weer geen vragen in het Nederlands binnengekomen, dus ik neem. Pas de question en néerlandais. Malheureusement, mais j'ai une question de Boris.
Sont-ils autorisés pour les professionnels, par exemple une société, et si oui, à partir de quand? Alors, les crédits aux professionnels ne sont pas prévus dans le planning initial. Nous avons voulu d'abord mettre en place la première version qui est les crédits aux particuliers, qui est un produit qu'on pourrait maîtriser rapidement et qu'on pourrait lancer sur le marché. Les crédits aux professionnels, c'est un peu plus compliqué et on étudie au fait les possibilités de la mise en place des crédits aux professionnels, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Peut-être Karen, tu peux nous en dire plus à ce sujet-là? Oui, effectivement, nous y travaillons et nous espérons pouvoir lancer ces fameux crédits pour le deuxième trimestre de 2021. Merci, merci. Alors, une autre question qui nous vient de François et qui fait référence à l'article 49 de la charte. Est-il possible pour une personne sans papier d'ouvrir un compte bancaire? Peut-être Adrien, tu as une idée sur la réponse à cette question? Alors oui, malheureusement, donc, pour les personnes sans papier, ce n'est pas possible. Donc, c'est la loi en Belgique que toutes les banques doivent connaître leurs clients. C'est-à-dire que nous devons pouvoir identifier chacun de nos clients et donc pouvoir accueillir des personnes sur base de documents d'identité. Alors, ces documents d'identité sont très larges. Ce n'est pas juste des cartes d'identité belges, ça peut être des cartes d'identité étrangères aussi. Mais par définition, une personne sans papier, qui n'aurait aucun papier pour prouver son identité, on ne peut pas légalement accepter ces personnes comme clients ou clientes. Puis, question néerlandais de la part de Jean. Quid des fonds que nous avons investis nous-mêmes lors de la création de la banque, lorsque nous sommes devenus coopérateurs? Est-ce que les fonds restent aussi longtemps que l'on reste coopérateur? Est-ce qu'il y a des dividendes de prévus? Et dans l'affirmative, à quel niveau? D'après les statuts, si je comprends bien la question, la souscription en parts peut être maintenue sous forme de capital de la banque et la libération de ces parts suit une procédure fort rigoureuse qui fait l'objet également d'une demande de versement. Mais bon, ça, c'est quelque chose d'éminemment technique, mais toute une procédure est mise en place pour l'accompagner. D'accord. Merci. Alors, peut-être une dernière question qui vient de Patrick, qui concerne les comptes à vue et comptes épargne. À quand une appli mobile pour effectuer ces paiements, comme le proposent toutes les banques classiques? En effet, le PC banking est déjà dépassé, surtout chez les jeunes, nous dit-il. Adrien? Alors, c'est dans quelques semaines. Donc c'est très très proche. Effectivement, comme l'a dit Bernard, on a pu ouvrir les tout premiers comptes. Il y a juste une dizaine de comptes qui sont ouverts uniquement sur PC Banking actuellement. Et on a dû décaler de quelques semaines le lancement de l'application mobile, mais c'est juste quelques semaines. Donc en décembre, nous pourrons déjà utiliser une application mobile. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Je propose de passer au point suivant et qui concerne le résultat des votes par collège. Mais avant ça, j'ai un petit discours à faire, n'est-ce pas, Judith? Pour rappeler que, effectivement, la patience ne fait pas partie des 13 valeurs de Newbie. On aurait pourtant pu la mettre, c'est pourrait être la 14e valeur. C'est en effet une patience qui est indissociable avec l'évolution de notre projet depuis ses premiers jours. Il y a presque 10 ans, au printemps prochain, nous fêterons les 10 ans de création de la coopérative. Avec une équipe qui compte aujourd'hui une trentaine de personnes, nos ressources restent sans aucune commune mesure avec celles des autres acteurs du secteur bancaire. Parfois, on nous dit « mais vous savez, vous dépensez beaucoup d'argent, etc. » Je peux vous dire que si vous regardez les nouvelles banques créées en Europe ces dernières années, nous avons dépensé des moyens, mais extrêmement limités. Et pourtant, nous sommes là. Notre ambition, on vient de le dire, est de vous offrir une gamme complète de produits éthiques et durables. On le fait progressivement, en toute sécurité, en veillant à faire les choses progressivement, mais vous aurez vos applis, vous aurez tout ce qu'il faut pour gérer vos comptes courants et vos crédits. Newbie arrivera en juin, la carte de paiement de Newbie arrivera seulement en juin 2021, mais pour cette raison-là, pour ne pas brûler les étapes. Et vous devez savoir aussi que c'est loin d'être le seul produit sur lequel
L'équipe travaille actuellement avec 340 organisations sociétales, membres de Newbie et plus de 2000 personnes morales dans le Collège des Baies. Nous souhaitons, on l'a évoqué également, pouvoir rapidement proposer des premiers produits professionnels au deuxième trimestre de cette année-ci. Il s'agira tout d'abord de comptes en banque dédiés, de crédits, avant de pouvoir proposer des formules de préfinancement de subsides quelques mois plus tard, si tout se déroule comme convenu. Vous voyez, on fait les choses progressivement, pas à pas, mais les choses maintenant vont s'intensifier au fur et à mesure des mois et des trimestres qui vont s'écouler. De grâce, encore un peu de patience, ça fait 10 ans qu'on attend, on n'est plus à 2 semaines près. NU, Sigrid, de... Et à présent, Sigrid, c'est l'heure au résultat des votes. Et puis, nous ferons le final avec les votes complets pour vérifier effectivement le résultat de vos suffrages. Erste Collège, du Suevacht nach de Resultate 22. Nous attendons les résultats du Collège A. Prochainement, les votes qui s'affichent. Je ne les connais pas moi-même, donc c'est le suspense le plus complet. Les voilà. Sigrid. Pour le Collège A, les organisations membres, on peut vous dire que toutes les résolutions ont été adoptées par une vaste majorité. Les résolutions 1 à 5 à 100% des votes. Pour la dernière résolution, la numéro 6, concernant les investissements, le vote positif était de 96,15% et 96%, respectivement. Le Collège B va-t-il être dans la même idée? On voit qu'effectivement, c'est un tout petit peu plus nuancé, mais à peine, puisque décisions qui demandent que 50% les ont largement, au-delà de 95% des voix, et que les deux décisions qui demandaient une majorité spéciale de 80% recueillent effectivement aussi cette majorité, avec également plus de 95% des voix. Le suspense est total, il reste le Collège C, Sigrid. Rien de choquant, mais tout a été adopté à l'unanimité. D'ores et déjà, vous aurez compris que les décisions ont été favorables dans tous les collèges et avec effectivement des majorités extrêmement fortes. Et je pense que ce n'est pas un hasard. On nous dit parfois, vous savez, Newbie, tout le monde est d'accord, il n'y a personne qui conteste, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui discutent. Et c'est bien, notre projet est fondé sur le débat, mais que nous anticipons ces débats. Et que lorsque des propositions arrivent devant notre Assemblée générale, que ce soit du comité sociétal, du conseil d'administration, ce sont des propositions qui ont été travaillées avec l'ensemble des parties prenantes de la banque bien en amont, et donc ce n'est pas un hasard, bien entendu, si elle recueille une large majorité. Sigrid. Ce qui nous amène presque à la fin de la présente Assemblée. Mais on ne dira pas adieu sans vous remercier avant toute chose. Si vous avez assisté à cette après-midi, vous savez à quel point le projet est important, non seulement pour vous, mais c'est une partie de la transition du secteur financier. Secteur qui doit être plus vert, plus inclusif, plus durable et plus équitable. Tous ceux qui sont là, que ce soit en présentiel ou virtuellement, s'inscrivent dans ce mouvement. Généralement, ce genre de glissement ne sont que minuscules et prennent énormément de temps. Mais bon, c'est vrai que nous avons une portion de 1% de la population et ce n'est pas si infime que ça. Et 10 ans, tout compte fait, n'est pas si long que ça. Donc, sachez ce que l'on pourra encore faire à l'avenir. Je tiens à vous remercier toutes et tous. Merci de votre appui. Merci de la persévérance. Moi, je suis celui qui va devoir vous titiller, chère coopératrice, chers coopérateurs, parce que effectivement, nous avons réussi la première étape, avoir une banque qui fonctionne, qui va se développer dans les prochains mois. Mais il nous reste tout à prouver.
Les mois à venir vont en effet être déterminants pour montrer que notre modèle économique et de gouvernance est gagnant, que les impacts environnementaux et sociaux qui attendus de notre activité se retrouvent effectivement dans la réalité, et aussi que notre banque puisse atteindre cette fameuse taille critique nécessaire pour faire la différence. Nous avons encore tout à montrer aujourd'hui. Soyons vigilants. Nous avons certes suscité un immense espoir dans la population, mais soyons attentifs à nous montrer à la hauteur de celui-ci. Mais, chers amis, j'ai confiance. J'ai confiance parce que nous avons réussi collectivement à créer cette banque que personne ne croyait, que tout le monde pensait être une illusion. Nous avons réussi à la créer, une banque locale, coopérative et durable dans ce petit pays qu'est la Belgique. Eh bien, nous l'avons réussi collectivement, nous réussirons aussi demain collectivement ces nouveaux défis qui se présentent à nous. Plus que jamais, c'est la vieille image que l'on donne chez Newbee, mais elle reste plus que jamais la réalité, c'est vous, derrière votre écran, qui restez dans le siège du conducteur. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les clés du succès entre vos mains. Et si tout va bien, on se retrouve samedi 12 juin 2021 pour l'Assemblée générale ordinaire et on l'espère en présentiel. Cela étant dit, un excellent week-end, tout grand merci et à bientôt. On se voit dans quelques mois. Prenez soin de vous, de vos proches et de notre coopérative. À bientôt.